Et bienvenue tout le monde! Je vais réussir à faire mon intro, vous inquiétez pas. Et bienvenue pour cette nouvelle partie de jeu de rôle, je suis Payumorpho, votre animateur et votre maître du jeu de 20h42. Nous sommes en retard, c'est un quasi miracle que je puisse faire ce live aujourd'hui, étant donné qu'on a eu quelques soucis techniques. Mais c'est pas grave, le samedi soir, comme promis, c'est une soirée Maverick, votre monde préféré et également le nôtre. Et bien sûr, nous allons retrouver nos joueurs, nos chers explorateurs. Et vous inquiétez pas, nous allons rappeler les événements précédents. Et salut tout le monde! Et personne ne regarde l'écran, la caméra. Tout le monde regarde sur Oui, le côté. bonsoir, je suis Zulman. Normal. Normal. Bonsoir. Et bah du coup, bienvenue à nos joueurs. Salut Gilbert! Bien le bonsoir à tout le monde. Bien le bonsoir, mon cher Payou, mon cher MJ. Comment ça va à toi, déjà, pour commencer? Je te l'avoue que j'ai beaucoup de mal à évacuer mon stress, surtout avec ce qui vient de se Avec passer cette pendant parole, 40 j'ai mis. minutes. Oui, Très bien. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai Ouais, oublié un c'était la truc. panique. Donc du coup, salut Silver, donc Elric. Bonsoir, ça fait longtemps de mon côté que je suis venu. Bah, t'étais en vacances. T'as passé de bonnes Ah vacances? oui. Ça va, oui. Plutôt bien. Eh ben tant mieux. Bah tant mieux si c'était plutôt bien, on va dire. Je vais réduire un peu Zulman. Voilà. Et Zulman, salut! Vas-y, vas-y, Bonsoir, je suis en train de mettre ma lumière parce que j'ai pas fait gaffe à l'heure. Ah, c'est pas grave, minuit. c'est pas grave. Donc du coup, tu continues à venir dans l'émission. Je vais dire ça Bien tout le sûr, bien temps. sûr. Bien sûr, Alors bien du sûr. coup, Mais en mes même chers temps, viewers, toujours. je tiens à vous demander de lever les bras vers le ciel et de me donner votre énergie. Genki-Dama. Voilà, Genki-Dama. de nous faire le Genki-Dama du soutien, étant donné que littéralement j'ai passé 40 minutes à essayer de régler un problème et on est passé réellement à ça de ne pas faire le live. De trouver des solutions alternatives et Full Drive hasardeuses. ETC qui au dernier moment ne veut pas marcher comme il faut, comme on faisait C'est juste ça, avant. oui, c'est clairement c'est ça. Foundry n'a Ah pas ouais, voulu ça. fonctionner. Mais heureusement, ça fonctionne. Oui, on a eu du pot. Ne pas se Oh, retrouver merci. que sur une plage incroyable. Ah bah on a un spectateur qui est déjà à plat, qui a plus d'énergie, c'est de batterie vide. Et on a surtout Fondry qui récidive. Moi ça a l'air bon. Bah non, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Je suis le seul connecté. Ah non, moi je vois tout le monde. Non, 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 les gars, c'est moi le plus important, c'est moi qui ai le serveur. Vous n'êtes plus là. Oui. Vous n'êtes plus connecté. D'accord. Ouais, on Ah! recharge et basta. Vas-y, essaye. Je fais un Ça va F5. tourner dans le vide? Non, ça Ouais, marche. je fais F5 et ça tourne dans le vide. Non. Je m'affiche, on est bien. Bonsoir, Respawn. Ah, nous avons des soucis techniques. Je vais chialer, putain de merde. Pourquoi Fondry refait ça? C'est l'épisode 1 là! L'épisode 1, c'était ce qui se passait! C'est vrai Ouais, qu'on avait chié justement. aussi l'épisode 1. Ouais, j'ai plus de lien du tout. J'ai rien. Je vais redémarrer. Encore? Non, Et j'étais vous bien. allez voir, prenez un chronomètre, au bout de 10 minutes, plus rien ne marchera. Vous allez Voilà, voir. en même pas 10 minutes, c'était au revoir. Bah là, non, j'ai. Non, mais là, les gars, j'ai mis un compteur. 10 minutes. 10 minutes, et le truc a disparu. Alors C'est que c'était en plus la version payante. génial. De toute façon, le Fundra il est payant de base. Faudra y payer en de base, Gilbert. Oui, C'est non. un truc que tu payes une fois, tu C'était vois. la version max. C'était la version max, il me semble, que tu avais pris. Non, il n'y a qu'une version. Oh non, Il y a c'est qu'une juste la version? version. C'est fond... C'est Non, tu le payes la licence et concurrent. puis c'est fini. C'est Le ça, tu concurrent que payes tu juste es la obligé de licence. payer avec des abonnements mensuels ou annuels et qui propose des options supplémentaires à l'achat. Alors, du coup, bonjour au chat. Merci à tous d'être là tout de même. Merci, bonsoir Nous des sommes broncades, désolés bonsoir pour les Respawn. problèmes. Bah, de toute façon, concrètement, il va y avoir la fin du combat de l'épisode 8, parce que l'épisode 8, on s'était arrêté sur un combat qui, malheureusement, tournait pas en votre faveur. Alors, qui démarrait plutôt bien pour vous, mais qui ne tournait pas en votre faveur vers la fin. Mais il y a quelque chose qui va arriver, parce que la dernière phrase qui a été lancée, c'était
Respirez profondément. C'était ça que vous avez entendu la dernière fois. C'était ça que vous aviez entendu. Et du coup, bah, on va terminer ce combat. Mais après, il y a de fortes probabilités qu'on passe en full RP après. Alors, pour deux raisons. Parce que les combats ne vont pas arriver tout de suite. Et deuxio, pour notre confort à tous, disons pas Fondry. Voilà, Fondry n'a vraiment pas envie de fonctionner. Ouais, mais c'est un problème que nous devrons régler sur les prochaines fois, là, parce que ça va vite. Ah, non, mais, ouais. Non, mais t'inquiète pas, mec, dès demain, je m'y penche. Dès demain, je m'y penche et je règle ce problème, parce que là, vraiment, c'est grave. Ça va bien se passer. Alors, cela dit, il n'y a pas... cela dit, Zulman, tu n'es pas encore revenu. Oui, parce que oui, la page ne se chargeait plus, mais là, c'est... On recommence, parce qu'en fait, j'ai coupé mon logiciel, et tu peux revenir, en fait. Là, c'est en train de mouliner, normalement, ça devrait... Non, mais c'est bon, je te vois. Disons qu'en fait, il y a un moment, vous allez tous disparaître, pour une raison qui n'a pas été corrigée. Bref, j'essaierai de régler le problème plus tard, donc du coup, salut tout le monde. Mais ouais, c'est long. Et si besoin, on réessaiera de faire du forcing avec l'ancienne méthode. Mais je doute que ça fonctionne. Bref, du coup, déjà, est-ce que mes chers joueurs se souviennent de l'épisode précédent? Oui, vu qu'on en avait reparlé. Oui. Chut, faut pas dire qu'on en reparle. Oui, mais si. Et garde la magie, voyons, garde la magie. Les backstage. Les backrooms. Non, normalement, je suis en hauteur. Moi, pas vraiment cohérent, je devrais être en hauteur. Donc être là... Oui, t'es sur un escalier, ouais. Mmh. Ouais, je me suis mis en haut d'un escalier. C'est ça, donc je vais quand même le rappeler. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, vous êtes pris en assaut par des fidèles de la secte des golems, si vous vous souvenez bien. En sachant que vous vous êtes fait engager, étant donné que, bah, selon eux... vous auriez commis l'irréparable, enfin selon eux évidemment, et aussi que vous transportez, ce très cher Richard, donc qui était à leur service, mais qui du coup n'est plus à leur service au final. Et on a perdu Zulman. Non, il est revenu, c'est bon. Ouais, ça... Ah non, mais vraiment, je vais péter un câble. Hein. Ça va très bien se passer. Il y a eu un misclic, désolé. Alors t'as fait un misclic ou... J'ai fait un misclic. Ok. Mais confiance. Bref, nous allons reprendre les hostilités. Attends, du coup, faut que j'augmente le volume. Voilà. C'est parti. Passons sur la bonne map, ça. Voilà. Là on est encore trop au calme, voilà. Et c'est la merde, il y a le piège à loup. Situation plutôt épineuse, effectivement. Bah du coup on va passer directement sur la grande carte. Ah, il y a un petit problème. Voilà qui est mieux. Vous en sort, vous êtes bien, c'est moi qui suis foutu avec mes... Non, parce que regarde, t'as un ennemi, enfin, je sais pas combien tu en as en haut, parce que je le vois pas sur la map sur le live, il y est pas. Moi, je vois juste celui qui est à ma hauteur, là. Oui, sachant que devant moi, autour de moi, j'ai 6 mecs. Ah, super! Ça va bien se passer! Super parti! Ouais. Bon, je suis obligé de me reco. Vieille strat. Ouais. Les reconnexions, ça va y aller, hein, moi je vous le dis. Moi, hein. Bon, ça ira. Ah, oui. Ah, sérieux? Putain! Sérieux, je peux même pas cliquer. Je peux. C'est la fête du slip. Je vous vois vous déconnecter, reconnecter, mais c'est la fête du slip. Mais Fondry, va te faire foutre, Fondry, quoi. Dis-toi que j'arrivais même plus à cliquer sur mon profil. Non, mais je sais. Oui, c'est normal. Je sais, c'est normal parce que tu es déconnecté. C'est normal. Parce que tu es déconnecté. Non, donc je t'explique, dans la barre de reconnexion, option Zulman, là maintenant c'est bon.
Oh putain. Désolé. Alors du coup, mes chers viewers, s'il vous plaît, soyez très indulgents avec nous, parce que là, vraiment, on galère. Il y a Fondrail qui vraiment fait de ses siennes. Vous voyez rien, mais du côté des joueurs, c'est Bagdad. Hein. C'est la guerre, là. Vous voyez, pour simplifier... Bah voilà. Payou, dézoome un peu sur la carte. Pour simplifier, la situation sur la carte, c'est la même situation que l'on vit. C'est la guerre. C'est ça, c'est la guerre. Actuellement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ennemis. Il y a 10 ennemis. Actuellement. C'était pas au personnage, hein, c'était au joueur qui l'a dit respirer profondément. C'est... Et du coup, je vais reprendre. Oh, Seita qui vient. Seita. Oui, Seita qui vient d'atteindre son 13e mois d'abonnement. Félicitations à lui. Et qui, du coup, lui a le privilège d'avoir le badge Maverick. Oh. Oui. Parce qu'il s'est. Oh, Respawn qui nous a fait don de 50 euros! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Respawn! Ouh. Merci beaucoup! Arthur, c'est la guerre! Arthur, c'est la guerre! Waouh, merci beaucoup! Merci, merci! Ah, on a mis un petit message pour toi, Zulman, tu pourras le consulter. Mm. Bref, reprenons. Donc du coup, je vais reprendre la dernière réplique qui a été énoncée, comme ça, pour vous mettre dans l'ambiance, et je vais décrire ce que c'est. Respirez profondément. Elric. Tu reconnaîtrais cette voix entre mille. C'est Alexandre. Ouais. C'est Alexandre. D'où ma question de la dernière fois, bordel de merde, qui a donné une conscience personnelle au... Merde, c'était quoi déjà? C'était un libre arbitre au PNJ. Qui a dit qu'il pouvait faire des choses? Il est actuellement là-haut. Là, actuellement, il a une aura qui émane de lui, une espèce de fumée verte qui a l'air de le suivre. Plutôt étrange. Et vous voyez que les quatre ennemis qui sont dans cette zone commencent à tousser très violemment. Et du coup, il y a Alexandre, tu vois, qui s'approche tout doucement de ces gens, qui les... Vous voyez, qui caresse un peu leur joue comme ça, alors qu'ils sont dans leur dos comme ça. Payou, réellement, en termes de vision, c'est Silver qui voit. Oui, Silver qui voit, mais derrière, voilà. Et du coup, il caresse légèrement leur joue avec ces espèces de bagues, tu sais, bagues griffes, tu sais, qui font tout le doigt. Comme ça, et tu vois son sourire, tu vois son sourire carnassier, tu vois ce sourire satisfait de prendre les vies. Et là, il fait comme ça. Vous ne me prendrez pas, mes amis. Il dit ça. C'est un genre de moment que je suis bien content que ça de notre côté, quand même. Hein. En fait, c'est ce genre de PNJ qui te font poser la question du où est-ce qu'il est le plus dangereux. Est-ce que c'est de mon côté ou du mauvais côté? Non, mais c'est où, vois... où est-ce, il est plus dangereux où, en fait? C'est quand nos alliés ressemblent à ça que je me dis, est-ce qu'on est les gentils? En vrai, on est neutre. Oui, on est neutre. Quand même. C'est ça le problème, et c'est ça le problème techniquement, c'est on est neutre. Donc en termes de fonctionnement... Ah mon dieu. Et du coup, il y a le ce qui semble être le chef qui est devant toi, Elric, il voit ce qui se passe, il sourit un peu, tu vois, il a un petit sourire comme ça, toujours très calme, tu vois, toujours posé, calme, malgré les coups qu'il a pris, et il regarde, il fait... La situation commence un petit peu à être un petit peu laide, si je puis dire. Et il réfléchit, tu vois, Payou, une question, attends. Ouais. Là, tout ce qui vient de se passer, ça a pris combien de temps, déjà? Quelques secondes. Ça me paraît un peu beaucoup, le quelques secondes trois paragraphes de dialogue plus tard. Enfin, quelques secondes, j'exagère, peut-être une dizaine de secondes, c'est tout. Mais disons que quand tout le monde a entendu le respirer profondément, ça a fait un blocage, tu vois. Parce que là, parce qu'en fait, vu que votre cher Alexandre maîtrise le vent, il peut intensifier sa voix avec le pouvoir du vent, justement. Du coup, il a joué avec les effets. Voilà, il y a eu une mise en scène. Il a fait la mise en scène. Il s'éclate beaucoup trop, ce perso.
Ah bah, hé, il s'est jamais caché hein, d'être quelqu'un de plutôt... de quelqu'un de mauvais, au final. Hein. Il se l'est jamais caché envers vous. Hein. C'est juste qu'il va... Il va faire son possible pour aider ses amis. Mauvais, c'est pas un problème. Par contre, moi, je suis opportuniste. Hein. Je vois l'autre qui réfléchit à côté et coudra pierre. Je cherche même pas à savoir. Voilà, eh ben, voilà, eh ben, tu sais quoi, tu me... Eh ben, tu me fais directement un jet. Je même pas chercher, c'est ce qu'on peut. Pour le coup. Bah, vous savez quoi ? Alors, vous savez quoi ? Je vous accorde tous une action gratuite grâce à l'intervention d'Alexandre. J'avais rechargé, tire sur celui qui est à ma gauche. En soi, pendant que tout ça se passait, je voulais me retourner et me préparer et à... Eh ben, vous savez quoi, je vais prendre dans l'ordre que vous avez. Donc Gilbert, tu commences à faire ton action, vas-y. Alors, mon action, c'est donc, en soi, me retourner donc, de 80 degrés vers ma droite. Ok. Donc, c'est-à-dire regarder en soi vers Silver et vers là-bas. Mmh. Et... viser et tirer sur le mec. Le fire shot. Ben celui qui du coup est devant moi. Je sais, il est techniquement hors de ma portée en soi. Normal. Et vous êtes encore déconnecté au bout de 10 minutes. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Payou, c'est pour ça. Redémarrage. On attends, s'amuse. Si t'as une option complète gratuite, tu peux faire un déplacement avec. Oui, il y a la possibilité du déplacement aussi avec. Mais j'ai 4 de déplacement, il est à 11, faut que j'aille à 8, ça me laisserait à 3. C'est bon, vous pouvez revenir. 3 plus 4, moins 7, je retire 8. Mais sur racine de pi. Sur la racine de quelle... Est-ce que dans le futur, est-ce que vous pouvez faire une attaque de l'imparfait du subjonctif? Après, Payou... Dis-moi, est-ce que c'est possible de l'attaquer de ma position, mais avec un malus? Bah en fait, j'aimerais bien savoir c'est quelle cible. Parce que j'ai pas pu voir. Celui qui vient d'arriver, tout à l'heure. Ah, voilà. Celui-là là-bas bon, il est un oui, peu loin. Bah, il est un peu loin, faudrait que tu te déplaces. Faudrait que je me déplace obligatoirement. Ma position en hauteur, justement, ne me donne pas justement l'avantage de... C'est pas parce que tu es en hauteur que forcément la distance est plus courte. Oui, mais justement, c'est pour ça que je parlais avec le fait d'avoir un malus pour toucher. Non. Par rapport à la distance. Au contraire, ça. Donc, faut que je me... Ce sera la question du soir, Champeur. Une défense sur la base arithmétique de Pythagore. Voilà. Ce sera la grande question. Bon, ben, je me déplace donc de 3. Mmh. Oh. Et tu tires. And the fire. Eh ben, lance ton défi. Donc du coup, tu as combien pour réussir? Alors, pourquoi ça tourne pas sur le bon personnage au bon moment? Sur le live, c'est combien déjà? C'est... Bon, 50 termes de distance. Eh ben, vas-y. Sauf que je suis en vigilance, ce qui me fait 55. D'accord. Il me semble. C'est ça, exactement, 55-51. Mais oui. c'est une réussite, jolie. Réussite, allez, premier test de la soirée, réussite. Ce qui n'est pas le cas pour Fondra, hein, qui fait que des sujets critiques, mais bon. Là, l'arme c'était du... Je crois que c'est du... Revoit la fiche. Alors, on revoit les fiches. 3D10, ça, il me semble. Non, 3D12, pardon. Il me semble que j'ai pas 3, c'est 2D12 plus 8. Voilà, 2D12 plus 8. Juste comme ça. Plus 8 quand même, hein. Il vient d'où déjà plus 8 la bague qui me donne plus je sais plus combien. Ah oui, la bague. Oh. Alors, je sais pas combien j'ai fait, mais la bague qui me donne plus 5 avec le plus 3 de pouvoir. Non, mais décris-moi cette dernière action. Ah ben, j'arrive, en soi j'ai descendu en courant, voire en slidant les marches, j'arrive du coup au sol, je donne un coup de fusil, j'arrive à genoux quasiment au sol et bam, fusil. Je vais t'expliquer parce qu'en fait il a voulu faire une esquive et il s'est jeté dans la mauvaise direction. Donc le coup de fusil qui n'aurait pas dû en soi toucher parce que j'étais déjà au pif. En fait tu vois le mec il arrive comme ça, la balle elle arrive. Tu sais, en fait, et là, il commence à prendre une pause, c'est... Il
s'est jeté sur la balle. Et moi, je termine justement en power slide métal avec le fusil vaguement dans la direction du mec qui s'est pris un headshot en fait. Et toi, t'es là en mode. À qui le tour ? T'étais pas sûr. Très bien, donc Gilbert, tu as agi en premier, Elric, c'est à toi. Donc coup de rapière du coup. Attends, sachant que bah, du coup, ce que je vais faire, moi, je suis pas trop con. Maintenant, je remonte. Oui, t'as le droit parce que tu finissais ton mouvement. Vas-y. Vas-y, Elric. La fuite vers le haut. À ce moment, il s'est retourné quand il a voulu réfléchir par rapport à. Non, il a juste tourné la tête comme ça, donc. Bah, parfait, parfait. Ne jamais exposer sa carotide, enfin, malheureux que tu es. Le coup de rapière bien dans la gorge pour que le lander derrière vienne lacérer. Moins 10. Je prends. Combien du coup ? Je suis en offensif, c'est un homme. Le mec qui se met en offensif, il est sérieux. Oui ! Le mec, oui ! Tu sais que j'ai toujours mon flanc de force dans l'autre main. Non, mais oui, vas-y. On ne s'arrête pas. Mais c'est vrai que le champ de force est toujours là, c'est vrai. Je suis à 95 ou moins. Moins 10, 85 ou moins. 85 ou moins, j'ai toujours quand même 10 ou moins pour le critique. Oui, 10 ou moins pour le critique. Eh ben vas-y. Bah allez, pour le critique, c'est le moment là. 3 ! 3, il a fait 3 ! Bah voilà. Putain, mais non, j'y crois bah pas voilà. J'y crois pas, il a fait une réussite critique. Bah voilà. Oh là là. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé aussi ? Tu as appelé la chance à taper contre toi. Putain, je l'ai call, j'ai call la chance quoi, c'est incroyable. Au revoir le boss. Tu fais combien en offensif ? Eh ben, par défaut, 36. La deuxième donc, fois qu'il lui met des gros coups. Et donc, en critique, x2, et en plus, t'as visé un point faible, donc ça fait x4. Donc, 72 x2, ça fait 144 points de dégâts. Aïe. Mais... Tu me dis qu'il est pas mort. Tu lui tranches... Tu plantes ta rapière dans sa carotide. Il te regarde comme ça avec la rapière qui est plantée. C'est tout. Je suis déçu. Jusqu'à ce moment où tu remarques une chose. Il ne saigne pas. Et tu as l'impression d'avoir planté ta rapière dans de la cire. C'est un golem de cire que tu as attaqué depuis tout à l'heure. Et tout ce que t'as fait était inutile. Parce qu'en fait, tu ne faisais rien d'autre que l'abîmer. Mais rien d'autre. Et voilà. Dommage, Elric. Dommage pour toi, Elric. C'était si bien tenté. Et là, c'est l'ennemi qui dit ça. Hein. Dommage pour toi, Elric. C'était si bien tenté. Comment il connaît son prénom ? Justement, c'est la question à se poser. Nous en suivi toute la journée quand même. Donc... Simon. Je suis fatigué moi. Ouais, mais tu peux encore jouer. Oui, je sens que je vais surtout essayer de me mettre à couvert plutôt vers Gilbert. Alors, cela dit, Elric ne voit pas le mauvais côté. La racine critique a permis de dévoiler sa vraie nature, qui était un golem de cire. Alors, ce que je pense faire, franchement, j'ai le droit de me déplacer. Bien entendu. C'est juste que tu n'as pas le droit de sprinter. Non, bah, je vais marcher et je vais essayer de me réfugier derrière Gilbert, le temps de me reposer. Tu es prêt à essayer d'escalader, là, le... Ou alors il fait le grand tour, hein. Ouais, il peut faire le tour, hein. Franchement, c'est pas grand-chose, hein. Pas d'escalader ça, je parle de... S'il veut se placer là, il faut qu'il escalade. Parce que je bloque le passage, justement. Franchement, tu dois être à quoi ? Même pas... Par rapport à... Il est à 4 cases, hein. Il est à 4 cases, j'ai compté. Et je veux dire, en hauteur, tu vois, il doit pas être plus haut qu'une table. Non, en fait. Alors, c'est pas très haut, donc je te l'accorde. Franchement, il doit pas être plus haut qu'une table. Non, je te l'accorde. C'est bon, je peux l'accorder sans jet. Je vais faire. Sans jet. Je vais y aller tranquillement et je vais me poser derrière lui. Le temps de me poser parce que là, il faut vraiment que je récupère un peu. Joli RP. Plus 5% au prochain jet. J'arrive. Bien !
là, les choses sérieuses ont commencé parce que c'était vos, là, c'était vos actions gratos. Maintenant, on va vraiment jouer. Eh ben, sortez les dés de 20. Allons-y. Initiative, c'est parti. C'est parti. Je vais prendre ça pour tout noter. Une lettre, j'ai pas de papier. Aïe, 10 et 9. Ça y est, c'est là où ça commence. 17 pour Zulman. Il faut Richard, Alexandre et les autres. Bon. Putain, mais c'est dingue, c'est dingue. Non, ça va encore. Bah non, c'est, je joue toutes les 10 minutes. Encore. Leur truc n'est pas réglé, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Enfin si, il est trop réglé. Il est trop réglé. Au lieu de jamais, c'est toutes les 10 minutes. Et Payou, j'ai dit, je suis en vigilance, donc y a un bonus de plus 2, en plus de ce que j'avais fait. Donc c'est pas 9, c'est 11. Du coup, 11, ok. Et ben, on va pouvoir commencer, vous êtes prêts? Putain, j'ai chaud, c'est incroyable. Je sais pas vous, mais moi j'ai hyper chaud. Putain. Ok, très bien. Ben, Alexandre commence. Donc c'est Alexandre qui est juste ici. Et il continue à émettre une espèce de fumée verte. Et vous voyez qu'il sort un espèce de couteau. Et vous savez, les couteaux de chirurgien, docteur de la peste, ce genre de choses. Ah mon dieu. Ah oui, non mais il est comme ça. En plus, il a le masque et tout, donc voilà, ça renforce le truc, hein. Donc bah du coup il va attaquer, c'est parti. Il s'éclate beaucoup trop, ce pays. Allez, j'ai public, car je suis joueur. Ok, très bien, ça n'a pas fonctionné. Attendez, je recommence. Si, ça... Attends. Non, ça n'a pas marché. Ça avait fonctionné. Ah oh. Ah. C'est pour Alexandre. Hein. Oui, oui. Aïe 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 aïe. Bon. Ah non, là aïe 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 aïe, c'est aïe 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 aïe. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend, il perd le contrôle de son gaz. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gaz va s'intensifier. Oh, le gaz va beaucoup trop s'intensifier. Oh le con. La zone du gaz est triplée en plus de l'intensité qui est augmentée. Pardon. Voilà. Ah, on n'est pas dedans. Je suis à la limite en soi. Voilà, son gaz qui commence à perdre complètement le contrôle. Silver ! Je suis du vent. Non, tu sais, tu veux faire... Et j'ai... La simple respiration. Oh, le con ! Alors, il y a un problème, en fait. Vous voyez, son gaz est en train de se répandre. Mais le problème, c'est que son gaz est en train de se répandre dans les habitations à côté. Ah bah ça, c'est pas trop notre problème, là, pour le moment. Et vous l'entendez dire... Les sujets de test vont augmenter. Okay. Vous êtes sûr que c'est vraiment notre ami? C'est tout. Toi, tu le connais sans doute mieux que nous en soi, donc. Non, mais Simon, tu le connais bien. Et oui, c'est votre allié, mais c'est juste qu'il est un peu euphorique. Il est un petit peu trop euphorique. Ok, suivant, c'est au tour de Zulman, du coup. Vas-y, je t'écoute. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je crois que je vais faire de la méditation pour récupérer un peu de chakra, quand même. Mais... Ah, les champenois. Merci, les vrais refs. Nehru qui te sort les vrais refs. Les champenois. Vice-champieux. Oui, à la base, on n'était pas censé être full l'overlay de live, donc c'est pour ça. Ouais, d'accord. Vu que j'ai claqué un peu de ma vie. Si, vous êtes full. Non. Elle était full life ? Non, parce que moi, sur la overlay, je suis à 38 sur 41. Oui, mais moi, de base, j'étais pas full niveau magie, parce que j'avais un petit peu claqué. Ah bon ? Oui. Mais c'est pas grave. Donc, on part sur une petite méditation, quand même. Bah, vas-y. Fais-moi un jet. J'ai deux en situation de stress. Ah, bah, c'est... Oui, et d'être volonté... Alors là, c'est volonté x2. Tu prends ton score de volonté, ta carrière de volonté, tu la multiplies par 2. Et t'as ton score.
Tu veux dire la divise par deux, hein, je te rappelle que je suis en état fatigue. Non, volonté c'est pas touché. La volonté n'est pas touchée, donc c'est bon, tu peux y aller. C'est volonté fois deux. J'ai une croix à la force et à la volonté, hein, je te rappelle. À la volonté? Oui, tu me l'avais placé. Oui, je suis monté assez haut hein, quand même. Non, c'était à l'agilité, il me semble. Non, à l'agilité, non, je crois que tu t'es trompé, c'est à l'agilité que j'avais dit. Ah, tu m'avais dit volonté. Pas grave. Bah, est-ce que tu voudrais prendre le risque d'avoir un malus de 25? Voilà, déjà, et après, presque on pourrait demander au chat s'ils se souviennent de ceux qui ont regardé récemment le... Alors, j'ai aucun espoir pour le chat, mais allons-y, hein. Voir si je me souviens. Mais bon, est-ce qu'on considère que tu as raison et je te laisse la croix en volonté, ce qui implique un malus, ou non? Garde en agilité si tu penses que c'était comme ça que t'avais fait. Bah en fait, l'état fatigue, ça te donne une croix en force et en agilité. C'est pour ça. Oui. Donc ça m'étonnerait que je me sois trompé, quoi. Oui, je te rappelle que j'avais dépassé d'un tour le mode père. Oui, non, mais je sais, mais je veux dire, quand tu prends l'état fatigue, tu as une croix en force et en agilité, justement. Donc ça m'étonnerait que je me sois trompé, quoi. Peut-être, oui, dû au dernier rework que t'avais fait. Que t'avais bah non, ça n'a pas changé. Donc, non, c'était la dernière fois, donc... Oui, mais entre la dernière fois et autre, les paragraphes sur le wiki ont changé, en fait. Pas ici. Pas pour ça. La fatigue, c'est l'état qui n'a pas changé en plusieurs mois. Donc non, ça peut pas être ça. Je parle par rapport à la fiche du mode hyper. Je parle... Ouais, non, non, le mode hyper... Alors, le mode hyper a changé parce que j'ai augmenté les dégâts qu'il faisait, c'est tout. Sinon, le fait que tu prenais ta fatigue, c'est toujours le cas. Bref, tu fais ton... Bref. Tu fais la méditation, oui ou non? Bref, je fais mon jet, on va pas reparler de... Alors, de tu as combien de volonté? Tu as combien de volonté? Attends, parle en volonté, j'en ai 30, alors... T'as 30, donc 30 fois 2, ça fait 60. Voilà, 60. Et est-ce qu'on considère ton malus ou pas? Non, vu que tu l'as mis... Donc non. Donc 60 ou moins, tu as fait 44, c'est réussi. Donc c'est une réussite, bien joué. Donc du coup, tu médites, donc du coup, tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. 2d6 pour récupérer le chakra. Et on pourra considérer que tu es à fond. Ok. Ça se grimpe de partout, c'est chiant. Ah merde, j'ai fait... Merde, j'ai Ah, t'as fait un D6 plus 1, non, c'est 2 D6. Voilà, c'est ça, 3. Voilà, récupère 3 chakras, mais bon, on considère que t'es à fond. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu fais autre chose? Tu peux encore te déplacer? Non, c'est bon? Non, okay, très bien. Franchement, je vais rester derrière... Donc, tant que je serai fatigué, je préfère rester derrière quelqu'un. Ok. Ok, c'est au tour de Richard. Là où du je coup... suis moins exposé. Richard fonce, donc je vous rappelle que Richard, lui, est à Manu. Mais ça va pas l'empêcher de mettre quelques patates. Quelques bonnes patates. À Manu est enchaîné, toujours. Oui, parce que... Il est plus enchaîné... il n'est plus entravé, il est toujours enchaîné, mais il n'est plus entravé. Il a brisé ses chaînes. Oui, il a brisé ses chaînes par la force de ses bras. Oui, je rappelle. Hein, donc du coup, je fais un test pour lui, un test d'arme de contact. Et on tombe sur un 15. C'est une réussite. Les ennemis sont tous en offensive, donc il va faire ses petits dégâts. Ses petits dégâts qui font plaisir, en sachant qu'il va faire ces dégâts-là. C'est parti. Il va faire 12. 12, voilà, il met une bonne patate de forain dans le plein visage de l'ennemi qui est le plus en bas. Celui-ci. Celui sur lequel il a chargé, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il va lui péter quelques dents, on va dire. Il a agi, c'est au tour de Loïc. Je t'écoute. Recharger, viser, tirer. Donc, tu crames ton déplacement pour charger. Oui, je... Enfin, très bien. Le seul déplacement que je fais, c'est que je me remets... Tu tires sur qui? Tu tires sur qui? Sur celui qui est juste là. Vas-y. Et en soi, je vais profiter du fait que son attention soit prise par le Fenrir qui vient de lui foncer à côté. Donc, je présume, et je pense que ma posture de vigilance va me confirmer ça, qu'il est en train de se retourner, de tourner le regard et donc de ne pas me regarder, même s'il est en offensif. Accordé. Donc, il est à 6 de portée, donc il est à ma portée. Hop. 55 ou moins, pas de bonus, rien. 5%. 60%, donc 60 ou moins. Roll de dice. Roll de dice 16. 16. Eh ben dis donc, c'est que ça passe hyper bien pour vous.
Donc messieurs, il va falloir... Messieurs, la situation est grave, ça fait beaucoup trop longtemps que vous réussissez vos jets. Il va falloir un peu changer la donne, s'il vous plaît, quand même. Hein. Oui, malgré que j'ai quand même privé d'une belle action Elric, hein, cela dit. Alexandre, qui est en train de m'empoisonner, et mon critique qui part dans le vent, effectivement, oui, ça se passe très bien. Alors Silver... Silver, c'est à toi. Tu es dans le champ de ce gaz. Pas de dégâts. Oups, putain, on a oublié. Désolé, vas-y, dégâts. T'inquiète. Décris-moi cette dernière action. Posé sur le rebord, en train de viser la tête, et boum. Ça se passe beaucoup trop bien. En fait. Et du coup, la tempe, plotch, et ça sort de notre tête. Je vous promets une chose, les gars, je vous promets une chose, c'est que la dame chance ne sera pas toujours avec vous. C'est ce que beaucoup ont dit, mais peu ont réussi. Drassa, la déesse de la chance, ne sera pas toujours avec vous. Parce que là, vous avez beaucoup de chance. Du coup, je passe sur Silver. Sur le coup, tu ne peux pas t'empêcher de respirer. Tu respires, et... En soi, il pourrait essayer de s'empêcher de respirer, mais ça demande une concentration. Attends. Il respire. Rien. Tu respires, c'est ce gaz vert, comme si c'était de l'oxygène. Tu n'as pas de problème. Le vent m'a sauvé. Bah non, t'es en plein dedans. C'est... Non. Je sais pas. Mais dans tous les cas... Alors, cela dit, tu vois que ton ennemi ou que t'as planté devant n'est pas infecté non plus. En même temps, oui, bon, c'est un golem de cire, donc il n'est pas concerné. Mais par contre, les quatre autres devant... Ouais, ils sont en train de... Oui, ils sentent pas trop bien, tu vois. Eux, c'est foutu. Ok, enfer. Que fais-tu? Que fais-tu, Elric? Gaznox déployé. Simple, j'ai toujours ma rapière plantée dans son cou. Je mets la main sur la lame et je tente de faire un coup sec pour l'égorger. D'accord, et eh ben tu vas me faire un test de physique. Je vais lui arracher sa tête, ce jeune. Donc physique, c'est force pas plus physique, ça fait combien? Un test de physique directement. Ouais. Oh, j'ai 10. Aïe 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 aïe. 10 ou moins, ah là là. En offensif? Non, je passe en posture défensive. Putain, Il prend pas de risque. Bah, le but, c'est pas lui faire des dégâts, parce que tenir, je peux pas. Oh, putain. Je suis à 10 ou moins. Je vais réduire un petit peu l'intensité. Dans la merde, je peux même pas me reconnecter en fait. Ah bah en fait personne, donc attendez, je vais redémarrer. Bougez pas, on redémarre. Encore ! Ça fait encore 10 minutes. Putain de merde ! Je m'excuse par avance à tout le chat. On ne contrôle absolument pas ce qui est en train de se passer. On est allé à du direct, tout se passe bien. Est-ce qu'on est bon, je fais manger ? Donc là, alors là, du coup, j'ai redémarré moi de mon côté, et du coup, tout le monde se reconnecte, j'ai l'impression. Reconnectez-vous, allez-y. C'est bon, vous êtes dedans? On reload, les gars. Non, c'est bon, je vous vois, et il manque plus que la vue. On est bon. Et voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Du coup, allez, c'est parti. Il y a... Oula. 13 De mon côté, tout a freeze, je n'ai rien vu. T'as fait 13. La posture de focus qui t'aurait sauvé. Qui t'aurait sauvé. Oh, quel dommage. Quel dommage. J'ai fait autre chose avec un F au début, mais bon, c'est pas... Quel enfer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu commences à vouloir lui trancher la tête, et en fait, tu vois, il est de côté un peu comme ça, tu vois. Donc, tu vois, t'as la rapière comme ça qui est plantée. Tu sais, il te regarde comme ça. Et en fait, il fait comme ça. C'est ça que tu veux... tu veux encore plus planter? Non. Alors, tu vois qu'il te la retient. Et je vais, okay. Je vais lui faire un test de physique à lui aussi. S'il réussit, il te vole la rapière. Alors, justement...
qu'il réussisse ou pas, quand il va chercher à tirer, sur la rapière, je vais la lâcher. D'accord. Je retiens. Bon, après, s'il glisse dessus, bon, bah, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire. C'est réussi. Il a réussi à son test de physique, donc du coup, il commence à tirer sur la rapière. Donc toi, tu la lâches ? Je la lâche, comme ça, littéralement, il va tirer et littéralement se bonquer au niveau de la garde. Il attire, il fait boum ! Et il se met en position. Et il se met en position. Et justement, c'est son tour. Du coup, il te regarde, il fait... Tu vois, il tient la lame comme ça. J'espère que vous allez apprécier ce changement de situation. Il pointe la lame vers toi. Et... Et il réussit. Il réussit pile. Tu es en défense. Cela dit. Esquive ou parade ? Bah, parade avec quoi ? Parce que pour l'instant, je suis... Avec les mains. Alors cela dit, t'as une compétence du pugiliste qui te permet de parer avec les mains. Oui, non, après, j'ai mon bouclier, mais... Quand même. Non, je suis simplement esquivé. Eh ben vas-y, combien t'as pour esquiver ? 75, mais du coup je suis à 80, je suis en défensif. Oui, tu es en défense, donc 80 ou moins, c'est le même score. Si tu fais égal ou moins, tu... Ah 88 ah, putain, je vois aucun défi. Aïe. Mais quel enfer. 88, dommage. Donc ce qui se passe, c'est qu'il te plante avec ta propre rapière. Et dans ces cas-là, c'est test à lui qui compte. Enfin, c'est sa maîtrise à lui qui compte. Du coup, il maîtrise à combien les épées longues ? Voyons voir. C'est une rapière, pas une épée longue. Elle est dans la catégorie épée. Maîtrise épée. Est-ce que je peux lâcher mon champ de force quand il me... T'aurais dû réussir le test. Ah. Je l'accorde pas. Ok. Cela dit, tu ne le dépenses pas. Oui. 11 points de dégâts. Au corps. Ouf. Donc du coup, il va te faire une violente entaille. Ouais, ça recommence, je vois. Ça va, ça ne tape que la barrière pour l'instant. Donc voilà, donc du coup, tu prends combien ? Je suis à 13 de barrière. Ah, tu as 11, tu n'as pas d'armure ? Ah, oui, effectivement. Est-ce que ça prend contre le bouclier ou pas ? Je ne pense pas, non. Non, il a visé en milieu, donc pas une direction particulière. Du coup, je ne prends que 9, effectivement. Tu prends que 9, donc du coup, tu descends à 15 de barrière. À 16 de barrière. Non, à 16 de barrière. Malheureux du sud. C'est ça. Ok, je vais faire jouer les autres ennemis, c'est parti. Donc, attendez, je retrouve la vue, c'est parfait. Alors, du coup, lui... Donc tout va se passer en bas parce qu'en fait les mecs vont faire une grosse coalition en lançant l'injure infidèle à celui que vous connaissez bien. Et ils vont l'attaquer de surcroît. C'est parti. Ils vont s'aggro comme des PNJ en fait. Raté. Entaille. C'est pas une petite entaille en plus hein, qui est en train de se prendre là, le pauvre. Oh putain, c'est une réussite critique. Ils sont en offensif. Bon bah critique ou rien pour notre ami Richard s'il est en défensif. Il est en neutre. Deux esquives ou parade et c'est tout. Raté. Et ben en fait ce qui se passe c'est qu'il va se prendre un coup de dague complètement traître en plein dans le poumon. Aouh. Il a pris, je vous l'annonce, il a pris 48 points de dégâts. Il est toujours en vie ? Difficile à dire. Je crois que... Sauf que c'est pas fini, il y en a un autre qui va attaquer.
Celui qui s'est fait attaquer, en plein visage. 42, la réponse. Mais ça ne suffira pas, malheureusement. Et... c'est tout. Les ennemis qui sont près de... d'Alexandre... meurent. Ils meurent tous... dans le gaz. Et son gaz finit par se calmer. Donc du coup, il en aimait moins. Il en reste d'autres. Laissez-les-moi. On va dire que Alexandre est dans un état d'euphorie actuellement. Surtout que vous le voyez, il marche tout en prenant des notes en fait. Il est en train d'analyser ce qu'il fait. Lancez vos d'initiatives, s'il vous plaît. Oh non, ça va mal finir cette histoire. Mais non, ça va bien se passer. Oh ! Le 20-20 ! Je vais fatiguer. Encore, il met pas ses bonus, parce que normalement il a plus d'initiatives que ça. Si, c'est. C'est des 20 plus 2. Non, tu t'es pas mis. Normalement, c'est toi qui as la. C'est moi qui suis en vigilance. Ah, Oui, si, oui. Je vais pas donner pour rien. Donc il a fait 27. Oui, il a fait 27. 27 d'initiative. Attends, c'était la tiare ou c'était la bague? Non, c'était la bague d'initiative. C'était la bague d'initiative, voilà, qui donnait plus 5 en initiative. J'avais pas du tout dans ma fiche, c'est pas grave. T'as oublié de noter à mon avis. Juste qu'on avait pas... Ouais, non, après la partie on avait pas... Je vous l'annonce, j'ai fait les jets pour les ennemis, ils commencent tous en dernier. Ah, là les deux... Ils ont tous fait en dessous de 10. Et bah Zulman, tu commences. Il va pas commencer grand chose, le pauvre. Lui qui n'en peut plus. Quel enfer. L'état fatigue, Il faut que tu passes une nuit. Il faut que tu passes une nuit à dormir. Fais une sieste. Ouais, je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. La power nap, c'est parti. Ouais. Franchement, là, je peux pas trop vous aider. Mais si, tu peux attaquer, hein. C'est pas parce que t'es fatigué que tu peux pas attaquer, hein. C'est juste que t'as des malus, quoi. T'as un malus. T'as juste des malus. Ouais, bon, des gros malus quand même, mais. C'est de la magie. Ouais, ah, de la magie, balance. Oui, tu peux. De la magie. Oui, de la magie, cela dit. Oui, en plus, t'as pas de malus. Tu peux attaquer à distance en plus avec. Si, j'ai la bulle d'eau qui peut faire du 6. Éventuellement, ce que je peux faire, je vais me reculer un peu. Tu montes de deux marches dans les escaliers et tu peux attaquer celui qui est au sud. Pardon, il faudrait que Sandra marche. Je reviens. Payou. Ouais. Le Fondrail a priori a. Oui, je vois, il a relay, ouais. Bah là, allez. Oui, là. Non, vraiment, faut falloir qu'on règle le problème. Je règle le problème. J'ai accès à rien. Ah, c'est normal, je vais redémarrer, deux secondes. Patience, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, faut y revenir. Désolé pour la gêne occasionnée, c'est vrai que c'est... Mais c'est arrivé au dernier moment, quoi, ça, c'est incroyable, quoi. Et le pire, c'est que la semaine dernière, quand on avait discuté de la prochaine campagne avec toi, Romain, ça marchait, hein. Oui, tout allait bien. Je suis de retour. C'était la semaine dernière. Je suis de retour, il manque... Allez. La vue pour la vue, voilà. Non, c'est bon, alors, il est là. Je vais me reculer un peu. Ouais, donc là, t'es au bord, c'est bon, on peut dire que t'es au bord. Hein. Est-ce que tu sautes du rebord? Non, alors, je ne saute pas du rebord, je ne suis pas fou, j'ai pas envie de me casser la figure. Alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Oh, super, c'est que celui qui est à côté de Richard, il est pile dans ma zone. Ah, tu vas lancer un sort ? Je vais lancer une bulle d'eau, du coup. Eh ben, c'est parti, il faut que tu fasses un test de magie. Juste de portée. Ouais, allez, magie. Donc, magie, oublions pas que. Intelligence. Bah, regarde ton, regarde ton total. Regarde ton total. Bah, c'est 80 ou moins, donc. Ah, bah, allez, allez, là, c'est bon. Est-ce que tu te mets. Alors, quelle posture, par contre, je te demande, quelle posture ? Alors, ah, putain, il faut que je choisisse. Alors, est-ce que tu... Alors, si tu veux taper, mets-toi en offensif. C'est juste que si on t'attaque, tu pourras pas esquiver. Ouais, bah je vais me mettre en offensif. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'esquive quoi que ce soit Ouais, c'est vrai. Bah vas-y, offensif, c'est parti. Oh, là, bah, c'est ton moment. Allez, 38, ça passe. Ça passe. Voilà, donc, ça passe. Donc tu fais dégâts maximum. Tu fais combien de dégâts avec les bulles d'eau? Alors, le coup, le 4, 2d6 dégâts. Donc tu fais 2 dégâts max, 12. Ça et fait 12, 1d6 par niveau de maîtrise, et vu que tu j'ai une petite croix. Ah, t'as une croix dedans, donc c'est 3d6 du coup. J'ai une croix à mes deux sorts en fait. Donc du coup, ça veut dire que ton sort est plus puissant, donc ça veut dire 3d6, donc tu fais 18 fixes. Voilà. Et bien, ce qui se passe, c'est que tu invoques ta bulle d'eau, tu la lances et tu l'éclates contre sa figure. Donc, quand on a un grand. Tu vois, vous voyez le bruit que ça fait quand vous faites un grand plat dans l'eau? Tu vois, quand t'es gamin, que tu jettes une bombe à eau et que t'es pas très motivé, ben voilà. Allez, tiens, prends. Ah, tiens, la bulle d'eau. Eh, très bien, alors ça ne suffira pas à le tuer, mais cela dit, tu as fait des bons dégâts. Bon, ça coûte 4 de chakra, je m'enlève 4, ça me fait baisser à 30. Bon, ça va, t'as encore un peu de marge. Allez, et suivant du coup. Attends, j'ai oublié la règle. Non, la posture, c'est à chaque début de tour, c'est bien ça. C'est à chaque début de tour, donc tu restes en offensive, là. Okay. Jusqu'à ton prochain ton début de tour. Eh ben, tu te déplaces pas, j'imagine ? Non. Très bien, donc du coup, c'est au tour de Silver. Au tour de Silver. Que fais-tu ? Ah. Écoute. Oula, on est perdu quelqu'un. Ah, d'accord. Zulman. Il a disparu. Metacam. Ah, c'est dire à quel point il est fatigué. Ah non, mais là, c'est ma co. C'est ma co. Pas de soucis. Donc, Silver, je t'écoute, du coup. Ah bah voilà, je sais bien qu'il y aura un problème de co ce soir. Donc, je vais, bah du coup, pour une fois, sortir mon épée d'or. Enfin, l'épée de Navarium. Oui, voilà. Non, mais mon épée, c'est t'inquiète. Tu as paniqué très fort, mais... Non, mais tu sors du coup l'épée que tu as fait reforger en épée courte. Exactement. Mmh. Très bien. Eh ben, vas-y. Et tu n'es plus dans le phone drive. Et j'ai redisparu. Oui, tu as redisparu. Vas-y, reload du coup. Merveilleux. Voilà. Mais surtout, avant tout, je vais retenter. Ah, c'est bon. De lui trancher sa putain de tête. Tu vises du coup, moins 15. Hop, et je reste en défensif. Épée. Le but. Donc là, c'est une épée que t'as sortie, donc c'est force. Un contact, force. Et tu m'as dit ? Moins 15. 35 ou moins. Tu te mets en quelle posture ? Difficile, hein. Je vais rester en défensif. Bien. Tu feras dégâts minimum, attention. Oui, mais le but est de lui trancher la tête, quoi qu'il arrive. Sache que le coup est amoindri, donc il y a une chance que tu ne lui coupes pas la tête. Si tu es en défense, évidemment. Oui, parce que quand tu es dans une posture défensive, tes dégâts sont réduits. C'est justifié par le fait que tu as une posture qui fait que tu mets moins de force dans ton coup. Ce qui fait qu'en fait tu as une puissance qui est amoindrie, entre guillemets. Ok, dans tous les cas. Donc tu as une chance, je te dis pas combien, mais il y a une chance que tu ne réussisses pas ce que tu veux. Et Fondra qui pète encore un câble. Putain! Tout se passe bien. Ah, ça me saoule. Non, c'est bon, moi ça marche. Ah, mais les deux autres sont disparus. Ah, ça me gave. C'est rien. En tout cas, je vais moi j'aimerais bien un live où tout se passe bien. J'ai pas à m'en soucier, quoi.
Alors, il y a eu des lives où tout se passait bien. C'en est pas un. Oui, oui. On appelle ça les 6 derniers épisodes. À peu près. Pas le premier parce qu'il y a eu ce problème. Le premier. Non, le premier c'était encore autre chose. Ah, mais du coup, je vais passer en focus et je vais tenter du coup, de lui trancher la tête. Eh ben vas-y, passe en offensif. Fais-moi plaisir. Non, focus. Ah, focus, d'accord. Bah, c'est pareil, de toute façon c'est pareil. Je t'en foutrais plein le cul derrière. Donc du coup, tu vas retirer 5% au malus, donc ce qui fait moins 10% au total. Donc 40 ou moins. Donc à 40 40 ou moins, ouais, pour réussir. Allez, c'est parti. Y'a... 99 ! Oui ! 99 ! Oh, mais rien Dieu. Ne va ce soir, mais rien ne va. Oh là là. Alors, ce qui se passe, c'est que tu essaies de lui trancher la tête, sauf que tu as un peu mal calculé le poids potentiel de ton épée, et bien ce qui se passe, c'est que tu vas te trancher un tout petit peu le bras. Est-ce que je te rappelle, ton arme est fait en quoi ? Il s'érafle le bras. Il s'érafle le bras, et le problème, c'est que le Mavorium agit de son plein pouvoir et va littéralement détruire ta... Détruire ta barrière complètement. Mais quelle barrière de points. Mais quel voilà, c'est ça. Donc tu descends à 0 points de barrière. Et le truc, c'est que tu as fait un échec critique. Oui. L'ennemi le voit. Et ne va pas se gêner. Évidemment. Je t'attaque. Et là, c'est le drame. Bon. 35, là où l'ennemi fait un échec critique. Tu es en focus, en plus d'être en échec critique, donc... C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Quelle merde. Allez, bouffe mon petit Silver. 9 points de dégâts. Moins l'armure potentielle. Du coup, 7. 7 points de dégâts, tu descends à 17. Ouais, 17. Et là, tu commences à avoir des gerbes de sang qui émanent de ton corps, de ton torse huileux qui possède un magnifique décolleté, mais malheureusement qui est souillé par le sang, par ton propre sang, et lui qui voit ce sang dégouliner du bout de ta propre rapière, comme je te l'avais dit. Il veut pas répondre. Il veut pas répondre. Non, très bien. Tu ne dis rien. Très bien. Non mais très bien. Silver, tu as fini d'agir. C'est au tour de Alexandre. Du coup, Alexandre qui va tranquillement s'approcher et qui fait un sujet qui ne prend pas le temps de respirer. Dis-moi, le golem, est-ce que tu es capable de ressentir la peur ? C'est un test de provocation, d'intimidation. Je lance le dé. 70 ou moins. Elric, tu as le temps de remarquer pendant qu'il était en train de jubiler au simple fait de t'avoir planté avec ta propre rapière, le moment où tu as Alexandre qui lui dit ça dans son dos, tu vois qu'il est redevenu droit comme un i, et tu as presque limite senti un espèce de tremblement venant de lui. Oui, on va dire que le petit discours d'Alexandre a eu son petit effet. Ouais, et puis en plus derrière, il y a la fumée verte et tout. Voilà, il y a les effets spéciaux. Nous sommes les PNJ de l'histoire d'Alexandre. Personnellement, je balance des bulles d'eau. Vous connaissez. J'aime bien, t'as Simon qui est crevé et qui se déshydrate à chaque fois qu'il balance la bulle d'eau. Mais oui, mais on se bat en arrière-plan. On se bat en arrière-plan. Exactement. Ça, c'était un jet pour Richard, et vous voyez des gerbes de sang émaner de lui. J'allais faire une blague très très critiquable qui aurait valu un strike immédiat. Tu l'as dit pas. Le X à toi. Je l'ai dit pas. Évite le N-word. Pitié. Est-ce que je peux demander quelques trucs ? Vas-y. L'état déjà de celui sur lequel Simon a attaqué, il est comment ?
Moyen, bof, enfin, bon. Ah, il est pas très bien. Ok. Deuxième question, quel effet a le feu sur les golems de cire? Ah, ça a déterminé. À moins que tu me fasses un jet d'érudition. Voilà, tu... Ah, you have lost connection to the server. Encore, putain. Oh, courage, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Je pensais pas que ça allait encore le refaire. Oh bah c'est ballot. Alors, Romain, est-ce que tu veux bien fermer ta gueule, s'il te plaît? Non, je sais, on va la faire à la Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Allez, bref, reprenons. Du coup, érudition. 50 ou moins. 50 ou moins, c'est parti. Ouais, je suis en vigilance, je n'ai rien d'autre. D'ailleurs, j'en profite pour remercier absolument tous les viewers d'être là. 89. Malheureusement, tu ne le sais pas. Cela dit, tu pourrais vite le savoir en faisant un test. Je sais. Mais je vais... je pense que justement, je vais préparer la balle de feu, commencer à la charger dans mon fusil, et ensuite, dans l'idée, ce serait de bulle de vide que j'ai actuellement encore sur le mec qui a pris la place de celui que je viens d'abattre en fait. D'accord. Et bah vas-y. Du coup, je suis à combien avec la magie déjà? Alors, magie, je crois que t'es à 50 ou moins, je crois, non? Je sais plus. T'as pas des grosses scores pour ça? On va partir là-dessus, je pense. Hein. 50 ou moins. Non, je crois que t'as encore moins. J'étais à combien? Ah, je sais pas. Ta fiche, elle est où? Oui, mais je sais plus par rapport à la fiche. On avait rediscuté, je sais plus ce qui était juste ou ce qui n'était pas juste. Je sais normalement, plus. T'es monté à 45 ou 50. 50. Là, selon ce que j'avais regardé par rapport à la fiche, je serais à 55, selon le... Bah, 55, alors. On parle là-dessus ? Pas de soucis. Bah, 55, au moins... T'es en quelle posture ? Vigilance. Ouais, 74, ça ne passe pas, malheureusement. Donc, Bulle de au vide moins, j'ai... Bulle de vide. Pardon. Au moins, j'ai rechargé. Oui. Oh, le ouais. David Coudenoff. Le David Coudenoff en puissance. Réellement, c'était la partie la plus importante de mon plan, en vrai. C'était de la préparer pour le prochain tour. Bon, ok, très bien. C'est ça. Bon, bah, du coup, bah, t'as fini. Et c'est au tour des ennemis. Et sauf qu'ils n'auront pas le temps d'agir. Parce qu'il y avait un compteur caché. Et vous entendez. Non. Et vous entendez. Allez, tas de crétins, dépêchez-vous, c'est en train de se bagarrer. La garde de la ville qui arrive. Les renforts. Les renforts qui arrivent. Toujours à la fin. À la fin, la cavalerie. Depuis le début du combat, il s'est passé juste 5-10 minutes. Hein. Il faut que le temps qu'ils arrivent. Le temps surtout qu'ils apprennent qu'il y a... Oui, c'est ça surtout. Ça. Et encore 5-10 minutes, je trouve que c'est efficace en vrai. Hein. Normalement, ça devrait pas être le cas. Mais là, avec l'attaque qu'il y a eu, qu'ils se sont pris juste avant, la putain d'éclipse qui a... La situation, tout ça... Non, c'est correct. Non, c'est juste le nuage de poison au-dessus des maisons. Tu vois. Aussi. Par contre, du coup, il y a le golem de cire qui entend ça, qui fait... Hein ? Je crois qu'il est temps pour moi de faire mes bagages. Oh non ! Elric, passons un marché. Question, est-ce que c'est Mora ? Arrête. Non. Arrête. Non, il s'adresse à Elric. Il fait passons un marché. Votre rapière contre ma fuite. C'est quoi ça? C'est chelou hein, quand même. Et je partirai immédiatement. Et je ne vous poursuivrai pas. Du moins, pour l'instant.
prenez le temps de choisir, sauf que le renfort est en train d'arriver à grands pas. Les gardes, ils nous connaissent. Les gardes, ils nous connaissent. Sylphie, je ne pourrais pas le loot exactement. Sauf si j'arrive à lui mettre une balle dans de feu dans le dos. On pourra en faire des bougies de salaud. En mode chasse au faisan. N'oublie pas une chose, Elric. Chance et roublardise. Voilà ce qui t'a sauvé de ton combat contre moi. Je te recommande pas de jouer avec ma patience. Tu veux ta rapière ? Laisse-moi partir. J'aurais tellement envie de faire un simple déplacement et de dire je tire sur le perso. Sur qui ? Sur Elric ? Ah non, pas sur Elric. Ah dommage, ça m'aurait fait plaisir. Sur l'autre. Sur le golem. Vite, tire sur le golem. Ça va les stabiliser. Du coup, Elric, donne-moi une réponse, Elric. Oui ou non ? Je me tâte à simplement essayer de lui trancher le bras qui tient la rapière. T'es en échec critique, je l'autorise pas. T'es encore en échec critique. Hein. Attends, je me suis pris les dégâts d'opportunité, je suis encore un échec critique maintenant. Bah oui, écoute, je suis pas là pour tout le temps vous aider, je suis là pour vous en mettre plein le cul aussi. Hein. Et là, mon pauvre Elric, c'est ce que je vais faire. Payou, il me semble que ça a encore sauté. Oui, mais pour l'instant, on est en RP. Oui, donc, mais pour c'est pas quand on aura besoin de faire un G. Oui, quand on aura besoin de faire un G, je redémarrerai. Parce que perso, j'aurais bien aimé attendre un moment avant de faire le déplacement de mon perso d'une case en mode. Coucou. Cocoda. Cocoda. Non, c'est même pas Cocoda, c'est un chasseur sachant chasser. Non. Les chaussettes de la duchesse sont-elles archi sèches ? Bref, du coup, Elric, oui ou non ? Je vais simplement répondre presque en serrant les dents le deal. Il te pointe la rapière. Prends-la. Je la récupère. Alors, attention, en sachant qu'il te la pointe par la lame, évidemment. Ah mais dans tous les cas, là, avant de la récupérer, je claque le champ de force et je la prends directement à la garde. C'est le moment où tu touches la garde, tu vois que d'un mouvement rapide, il part vers la gauche. Okay. Tu n'as qu'une fenêtre, Gilbert. Il va entrer dans mon champ de tir. Alors, je vais redémarrer le serveur. J'ai considéré que tu étais en embuscade. Donc là, il part sur la gauche de manière extrêmement rapide. Tu le sais, tu n'as qu'une seule chance de le toucher. C'est le moment. Si tu rates, il s'enfuira. La flèche d'Athéna. C'est maintenant. Là, c'est peut-être le moment d'éliminer un élément qui va potentiellement être gênant. Dans le futur. Quel enfer. Donc il est là. En soi, personnellement, j'attendrai qu'il fasse encore un pas et tout. Attention, littéralement. Le public, envoyez votre énergie à Gilbert, c'est son moment. Allez. Il fait le dernier pas et là, bang! Et là, le coup de feu part. Et est-ce que ça touche ? Le coup de feu part. Et est-ce que ça touche ? Oui, non, c'est pas ça. C'est le roll 20. Bon. Attends, je le relance de mon côté aussi. Oh putain, le pire moment. parce que j'avais cliqué sur le truc. En mode, il a fait le pas. Je clique sur tirer et il y a rien. Allez, vas-y, recommence. C'est pas grave, recommence. 55 ou moins. 55 ou moins, attention. 51, oui. 51. Bien joué. Allez, c'est réussi. Mesdames et messieurs. La poudre est mouillée. Mesdames et messieurs, le dernier tir, identique au premier tir. Et donc du coup, tu tires la balle. Tu sais, on a un magnifique ralenti de la balle. La caméra qui suit la balle.
et va toucher... À la Big Game Hunter Pro Hunt, oui. Et vous entendez un... À la Bob Lennon. Vous entendez un... Et vous entendez un... Ah oh caribou. Non, sauf que là, il s'arrêtait net quand tu l'as touché. Et là, il se retourne... Bien visé, saloperie d'explorateur. Ça, tu me le paieras ça plus tard. Et il s'en va. Oh. Ah. Alors, potentiellement plus énervé qu'au départ. Alors, Loïc, je te l'annonce, tu as enclenché un trigger pour plus tard. Et c'est un trigger positif. Hein. Donc, tu as enclenché un événement positif pour plus tard. Positif, il vient de tirer quand même sur l'ennemi, et il... maintenant c'est son ennemi juré. Hein. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Combat terminé. Après, quand même. Je me demande combien de dégâts je lui ai mis. 2d12 plus 8 plus balle de feu. Tu lui as mis la max, comme tu aimes bien dire. Tu as mis la max. C'est encore down. Et du coup, bah félicitations messieurs. Change la musique, Gilbert. Félicitations messieurs, le combat est réussi. Le combat est réussi. Ouais, mais je change la musique pour laquelle On a gagné. Fuck it, donc. Mais une ambiance toute calme, s'il te plaît. Moi, il y a un truc qui marche, mais oui. Mets un truc calme. Bon Dieu. Parfait. Je vais juste la réduire un peu parce qu'elle est forte. On a gagné donc, musique sacrée. Force. T'as Simon qui meurt alors qu'il a pas pris un seul dégât. C'est. Je suis fatigué. Me dis père. Il vient de se rendre compte en fait qu'il ne sait pas vivre sur Terre plus de quelques heures. Simon, tu vois, son mode hyper, c'est en trois mots. C'est mode hyper. C'est hyper. J'ai fait un tour de plus. Un tour de plus. Hyper. Alors non, Wilson, c'est pas Ulfric pour le coup, c'est bien Gilbert. C'est pas le même personnage. Ulfric, c'est dans une autre campagne. Cela dit, c'est le même joueur. Et du coup, les gardes vous entourent, constatent tout ce qui s'est passé. Et vous deux. Et du coup, vous êtes, vous savez, c'est le général, enfin le général, c'est un des généraux qui vous avait accueilli l'autre fois devant la porte. Ah et oui. Le capitaine, il fait. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup d'agitation ici. Tout va bien. Très bien, très bien. Je rush. Voilà, moi aussi. On rush sur Richard, voilà. D'ailleurs, oui, les... Ah oui, c'est vrai qu'il doit être quasiment mort. Hein, oui, les cultistes, est-ce qu'ils se sont fait choper par la marée chaussée ou... Oui, ils sont tous fait choper. Ils sont tous fait arrêter. Ok. Mais c'est vrai que t'as Richard qui est en train d'agoniser devant nous aussi. On a gagné. Sérieusement, sans réfléchir, c'est on rush, on sort les popos de soins avec Silver et deux popos de soins dans la gueule directement. Ah, non, glou, 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 glou. Arrête malheureux, j'ai un truc qui s'appelle un sort de soin. Ah oui, tu es de la lumière. Effectivement. c'est vrai, oui. Le mec, c'est un natif de la lumière aussi. Effectivement, mais n'empêche Silver, tu vas me reconnaître le coup du je viens, je prends la popo, les deux popos qui lui finissent de la gorge au même moment. C'est très cartoon quand même. J'arrive en mode imposition des mains, le trailer mode vite, vas-y, bourre-le de pouce. Tu sais que je peux faire au curatif aussi, hein, ça marche. Hein. Oui. Oui, mais faudrait que tu aies des compétences pour ça. Et là, actuellement, avec la fatigue... Non, ça fonctionne, vu que c'est... Non, oui, vu que c'est la magie. Hier, vu que c'est la magie, hier... c'est bon, il est... Oui, non, mais IRP, de la façon dont il le joue, il est au bout de sa vie. J'ai réussi à balancer une bulle d'eau, alors je t'emmerde, Gilbert. J'ai réussi une bulle d'eau. J'en profite, vous gagnez 280 points d'XP. Ouh 280, d'accord... 280. Ça fait 830. Ah, ce qui est un passage de niveau. Voyons voir. 830.
Bonne question. Je vais aller voir. 830 pour moi. Oui, oui, pour tout le monde, c'est 830. Non, c'est 450, 950. Ah, donc ah dans pas longtemps, ouais, il faut 110 encore. Qu'est-ce qu'on peut looter du coup sur les... Alors déjà, vous lootez les ressources, déjà. Voilà. Et vous lootez 12 ressources communes. Donc plus 12, donc c'est 20. Ouais, on a en tout 20 ressources communes en possession. C'est ça. Donc je rappelle, les ressources communes, ça coûte 10 Riken d'or à l'échange. Donc ça fait 200 Riken d'or. Au-delà de ça, vous récupérez des couteaux de cultistes, des robes, ce genre de choses. Et je vais vous accorder aussi un total de 4 fioles rouges. Alors, les robes, on pourrait en garder une chacune juste pour si jamais on doit s'infiltrer ultérieurement, parce que je pense qu'ils vont rester, dont nous battent encore longtemps, ça. Ça, c'est garanti. Vous en récupérez, du coup ? Bah, en soi, on va looter, hein. Non, combien ? Non, là, on récupère tout. Voilà. Ça fait 10 couteaux, ça fait 10 robes, ça fait 4 fioles rouges, ça fait 20 Riken d'or, ça fait une fiole blanche... Ça fait... non, c'est bon, j'ai fini. Y'a quelqu'un qui note tout ça ou... Oui, quelqu'un qui note. Absolument. Ok, alors, note tout à part les 20 Riken. Trop tard. Trop tard. Non, c'est bon, ok, non, t'as tout marqué là, on est bon. J'ai tout marqué, camarade. Non, on est bon. Par contre, Eric et Gilbert, notre plan initial de partir avec les chevaux maintenant, je crois que c'est cuit. Là, je serais pas... Il est midi. Oui, mais moi je dois dormir. Voilà, c'est moi, ça. Je dois dormir. Ayou, j'entends l'autre derrière, je me retourne. Il est midi. Il est 13h. Et non, Simon, il fait nuit. Il est dans les choux. Il est perdu, il s'est réveillé pour lui, il est 24h30. Je dois dormir pour vous dire. Ouais, il est 25h, il comprend plus rien. Pense, poisson de merde. Pense. Think. Et là, tu as Alexandre qui s'approche de vous et qui fait. Vous allez bien, mes amis ? Oui. Merci de ton aide. Oui, ce fut une expérience des plus enrichissantes, car il semblerait que le breuvage que vous avez bu la dernière fois, que vous trouviez un peu bizarre, a fonctionné. Mais oui, souvenez-vous, vous avez bu une bière et toi j'ai bu un thé à un moment et vous avez dit que ça fait un drôle de goût. Disons que j'avais ajouté un antidote. Ouais. Ouais, bah c'était pour ça. Il semblerait que l'antidote fonctionne. Hein. Ouais. Les mecs sont dégoûtés. Alexandre, juste pour que ce soit plus simple et pour que ça marche mieux s'il faut la prochaine fois, préviens-nous. Fais pas une surprise comme ça au pif. D'ailleurs, tant que j'y pense, je viens vers lui. Tiens, tu me l'avais demandé. Ah, on avait besoin. Excellent, je te remercie beaucoup, Gilbert. Oh, y a pas de quoi. Du coup, je vais pouvoir vous fournir ce que vous m'avez demandé. Je m'y attelle tout de suite. Il se trouve que il se trouve qu'un des alchimistes qui habite ici, je le connais bien. Je vais m'en occuper tout de suite. Vous ne pourrez pas me retenir. Non. Là, il s'en va comme ça. T'sais. Non, je le chope. On arrête 2 secondes. On se calme. Il y a des civils qui ont été pris dans le bordel. Est-ce que tu peux juste aller les voir? Ah, mais ils sont déjà morts. Des sujets de test en plus, je vous l'avais dit. Putain, les mecs, ils sont dépités. Merci, mais Alexandre. Ok, alors, par défaut, je vais soigner. Pour pouvoir récupérer l'objet aussi. Ne vous inquiétez pas, les citoyens qui ont été pris dans le gaz l'ont pas respiré suffisamment longtemps pour mourir. Ils vont se réveiller, vous inquiétez pas. Ok, parce que merci d'avoir aidé comme ça, parce que sinon, Payou, j'allais réellement te demander un test de vigilance et de psychologie pour savoir quelle allait être la réaction des gardes quand ils vont faire le lien entre le gaz, les civils morts dans les maisons à côté. Cela dit, les 4 corps qui sont autour de moi, ils étaient un peu trop près.
Par contre, Alexandre, j'aimerais juste éclaircir un petit détail. Vous avez pas croisé Delph sur votre route? Juste pour... Des elfes? Si, si, j'en ai croisé quelques-uns, oui. Non. Non. Il faudrait quand même s'assurer que... Non, tout le monde. Il faudrait s'assurer que tout le monde va bien, quand même. N'est-ce pas, Edric? Je ne vois pas où tu veux en venir, Simon. Alors, disons que nous avons croisé de la charmante compagnie qui intéresse potentiellement l'un de nos camarades. Mais bon... Et là, du coup, Alexandre qui se tourne vers Edric. Et il fait comme ça. Alors, je regarde droit dans les yeux, puis je me barre sur le même chat. J'expliquerai rien du tout. C'est moi qui a défoncé le Rick en deux secondes. En deux parties chrono. En deux parties chrono. Non, bon, sur ce, je vais quand même faire une petite sieste dans la rue en attendant. Je suis en train de me poser réellement la question s'il faudrait pas que Zulman ait une interdiction par rapport aux écoles ou au lieu trop jeune où, ça, où son état d'esprit serait inscrit de corrompre en fait. Non. Déjà, on a croisé une elfe qui est très sympathique avec Edric, alors bon. Salut Drake Manaquette qui nous a rejoint sur le chat. Point. Bon Drake Manaquette. Drake Manaquette mais... qui est un auteur que je connais bien. Oui. C'est pas la volonté de mon perso. Du coup, je vais piquer une petite sieste quand même en attendant qu'on bouge. Et du coup, le capitaine qui vous regarde, il fait restez le temps qu'il faut, mais ne traînez pas. Je pense que les choses vont pas mal bouger ici et les portes vont être encore fermées. Ne traînez pas. Merci de l'information. De rien. Maintenant, si vous voulez bien décamper, on a du nettoyage à faire. On vous laisse travailler. Bon, bah, quelqu'un me prend hein, parce que je suis en train de dormir là. Elric, est-ce que tu t'en occupes? Non, prends-le, je vais m'occuper de Richard. J'ai pas envie de m'en occuper, j'ai envie de le laisser sur place, moi, justement. C'est qui le médecin ici? C'est qui le médecin ici? C'est toi? C'est pas lui? C'est pour ça. Oui, mais on le laisse sur place, du coup, on s'en fout. Et là, c'est... Occupe-toi de lui, non. Il est sur place, mais pas. Non, en fait, non. C'est générique de fond. Everybody. Attends, je sais pas, parce que j'hésite. Soit je le laisse en plan, je le laisse pioncer comme ça, comme un poisson mal sorti de l'eau. Soit je le chope par la queue et je le traîne. Tu sais, le petit mot, juste posé sur son torse, en mode on est parti à l'auberge, rejoins-nous. Non, pendant qu'il dort sur la bouche, donc c'est... À chaque fois. Quel enfer. Non, encore pire, tu sais, il dort sur un escalier, et là, tu vois, il se réveille, il fait « Pourquoi j'ai des pièces d'or sur le torse ?» Tu me prenais pour un clodo. Oh mon dieu. Je prenais pour un clodo. En même temps, c'est un Zamasu, quelque part. Namazu. Namazu, putain. Oui. Zamasu. Non, mais c'est un personnage Dragon Ball Super. Il s'appelle Zulma, donc forcément, j'ai... Zamasu. Oh un putain, Zamasu. C'est le méchant Dragon Ball Super. Toi, c'est vrai. Zamasu. Oh fuck. Mais oui, c'est un Amazu. Par défaut, il va passer pour un clodo. Donc... Malgré le fait qu'il porte un collier bling bling, c'est bizarre voilà, quand même, hein, le clodo bling bling. Hein. Le collier bling bling, il l'a vendu. Oui, il me semble qu'il l'a vendu. Hein. Oui, c'est vrai. Mais du coup, clodo, Vous en faites quoi du coup? Je vais faire un G dans le jet des lives. Tant pis, c'est point d'exclamation pour les jets sur le... Attends, je vais redémarrer. Ok. Parce que je vais faire un jet sur fond drive parce que... 50 ou moins, je le tire par la queue, je le traîne par la queue pour qu'il nous suive et fuck it pour tout le reste. Non mais récupère 50 le 50 ou plus, je l'abandonne, rien à foutre. Récupère le quand. Bah, fais ton jeu Gilbert. Hein. En vrai, technique de la pièce. J'ai dit ça, mais donc je vais voir. Tu le prends. 16. Je sens l'air de Loïc qui avait pas envie de le prendre, en vrai. Qui voulait qu'il rate. C'est pas ce que je voulais. Il voulait une excuse. Non, je voulais vraiment le laisser de là en mode de te faire foutre. Mais bon, je fais ce que j'ai dit.
En vrai, il y a eu Elric qui était là en mode il le soigne. Bon, prends-le. Nah, pas envie. Il me fait chier. Laissons-le ici. Prends-le. Bon, ok. Et donc je le regarde en mode dépité. Je le prends par la queue et je le tire. Level barbare dans Donjon Albuck. Donne la clé. Non, donne la clé. Non, donne la clé. Tiens, la voilà. Non, c'est pour le nain en fait. C'était pour le nain pour qu'il donne les soucis. Donne l'or. Non. Bank. Donne l'or. Non. Bank. Donne l'or. Tiens. C'est ça. Mais Peter, tu dis esprit d'équipe, mais je vois pas d'équipe ici, moi. Si, il y a un duo, un psychopathe, un prisonnier et un entremetteur. Non, nous ne sommes qu'un assemblage de persos, arrêtez. Non, si, parce que nous encore ça marche. Nous, il y a une cohérence. Oui, t'as vu le bordel dans lequel on est foutu à chaque fois. Oui, ce n'est pas notre faute. Mais du coup. C'est la faute de ce truc. C'est la faute de la société. Non, de ce truc. L'excuse, c'est la faute du patriarche. Non, même avant lui, c'était déjà là. Mais du coup, MJ, est-ce que je te fais un jet pour les soins du. Non, tu n'es pas en situation de stress, tu peux juste lancer des soins. Est-ce que tu te mets en mode hyper pour le soigner? Là, t'as un bonus de plus 10 aux soins, donc je te le. Le Kekachidaze, non mais non, on va éviter les conneries. Non, c'est pas le Kekachidaze, c'est le Glory Hill. C'est de la lumière quand même, c'est sacré. C'est le sacré que ça coûte là. Non, mais déjà, j'ai juste lui faire un coup de soin et puis simplement bandager ce qui reste. Alors Neru, me demande pas ce qu'est en train de faire Zulman, je sais pas du tout, c'est vraiment qu'il est comme ça. Il est censé imiter la personne qui dort, mais vu qu'il s'est pas très bien joué, il a pas joué les marches à chaque fois qu'il tombait d'une marche, à chaque fois que je le tirais en fait. Non, il dort pas vraiment. Il joue. Que t'es vraiment bougé, t'inquiète pas, je suis pas en train de dormir, hein. J'écoute toutes vos conneries. Et là, t'inquiète pas, Gilbert, c'est rentré dans l'oreille, hein, ce que t'as dit. Simon, il va voir une humaine, il va faire Gilbert. il va faire une Elric. Oui, enfin, il va aussi finir par se choper le. Un coup dans les dents aussi. D'ailleurs, ouais, j'y pense parce que je vois ça. Il y a le piège à loup encore à récupérer aussi. J'estime que vous le récupérez. Et du coup, les soins, du coup, Elric. Oui, justement. Déjà, je vais faire un petit sort de soins, déjà, pour commencer. Un focus. Donc, 75 au moins. Non, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de test. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de test. Et du coup, après, je fais quand même un test pour le la quantité de soins. Non, c'est pour la quantité. C'est juste le. C'est pas un test, c'est juste le. Tu fais les soins, c'est tout. Non, je veux dire, pour la côté médecine, genre tout ce qui est bandagé, ce qui reste. Non, pas besoin. Non. Parfait. Donc je fais ça tranquillement. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a poumon perforé. Ah. On va dire que c'est pas une petite blessure qu'il a. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'en profite, hein, il a toujours le couteau. Hein. Propos de heal. Ah, donc ça veut dire que ça s'est pas encore. Non, là, les potions ne servent à rien. Il va falloir des soins intensifs. Hein. Et des soins longs. Well, fuck. Fais chier. Bah, déjà, je lui ai fait un truc superficiel. On va voir si en vie il y a un médecin qui peut au moins. J'ai du mal à respirer. Parle pas. Et tu vois, quand il respire, tu sens qu'il y a un truc qui gargouille et tu vois que c'est du rouge. Et il saigne. Mais bordel de. Ok. Est-ce que le fait de faire un autre trou ne pourrait pas justement l'aider? Faire une évacuation. Wow. Non, le pire, c'est que cette idée en soi a déjà été proposée dans des séries. Hein. Non, oui, okay, non, d'accord, c'est, okay. Là, c'est au niveau de la trachée s'il y a un problème. C'est... Ah non, c'était dans le poumon. Oui, mais là, le. C'était dans le poumon et dans le speech de la série en tout cas, c'est que ça se remplissait progressivement, du coup, fallait le vider. C'est pour ça. Oui, il y a déjà le trou. Oui. Parce que, en fait, tu fais un trou si les poumons se remplissent de sang mais qu'il n'y a pas d'ouverture. Enfin, là ça a l'air de rester, ça a l'air de bloquer aussi la respiration, quoi. Donc, bon. Bah, parce qu'il a le couteau. Ouais. Bah, peut-être le retirer.
Pas sûr. Non. Non. Il y a le capitaine qui arrive et qui voit ça, il fait « Je peux appeler le brancardier si vous voulez. Hein. » Oui, ça va être un plan. Brancardier ! On a du travail pour vous. Pendant une microseconde, j'ai espéré que ce soit juste un soldat qui s'appelle Brancardier. Et qu'il est le brancardier. Non, le brancardier, c'est celui qui a le brancard. Ouais, oui, je sais, mais justement, j'espère que ce soit un soldat ultra balèze qui le chope à main nue et qui Et du coup, le brancardier arrive. Du coup, brancardier, est-ce que tu veux bien emmener cet homme là-bas? Oui, bien sûr, je vais l'emmener. Tu vois qu'il est un peu con. Il est parfait, brancardier. Mais j'aurais plutôt dit que c'était un vieillard qui n'avait plus de poumons. Non, il est jeune, c'est juste qu'il fume. Il fume comme un pompier. Donc du coup, il a le cancer. On sent la base de collègue de travail. Du coup, il a le cancer avec ce blanc. je tiens donc à signaler que toute l'équipe de Maverick a une pensée pour toutes les personnes atteintes de formes graves de cancer du fumeur. Cancer du fumeur. Cancer du poumon, putain. Non, parce qu'il y a d'autres cancers. Écartez-vous, il faut que je l'emmène. Ok, je sais pourquoi ça va me faire ici. Excusez-moi, j'arrive pas à jouer, c'est ridicule. Non, mais je sais pas ce que tu m'as fait avec ton brancardier, là. Aidez-moi, Après, j'ai une question. Il ressemble à quoi son brancard? C'est pas gentil de se moquer. Il ressemble à quoi son brancard? Parce que s'il est seul pour porter le brancard, comment il fait? C'est un elfe salé. Qu'est-ce que je fous par terre? Quel enfer! C'est un elfe salé d'environ 1m90 et plutôt costaud, oui. Ah d'accord, donc en fait il va le porter en mode princesse plutôt que le... Il a 5 en force, hein, ton elfe. Ouais. Allez, je l'emmène à l'hosto, allez, tu vas aller sur le billard. Qu'est-ce que tu me fais? Ah ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est qui? Okay. Je suis en train d'immerger à terre, j'entends toutes les conneries là. Ah. Et du coup, il l'emmène sur le billard, comme il l'a dit. Ouais. J'espère juste que pour lui, c'est pas une vraie table de billard. Hein, parce que voilà. Après, Payou, je tiens à dire un truc, là, c'est quand Simon s'est réveillé, j'ai pensé, du coup, à ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire le piège à loup, la queue de Simon Pontos, ou un membre de Simon Pontos, dans le piège à loup, gnap, et trop tard, du coup, il s'est réveillé, et je regrette intensément cette idée que j'ai eue. D'accord, du coup, je vais récupérer ça. Hein, ouais. Parce que j'ai fait un jet pour déterminer qu'il est en train de préparer une connerie ou pas. Alors, j'ai pas préparé, j'ai pensé après coup à une connerie. Bon, du coup, vous pouvez vous diriger vers l'auberge. Je pense qu'on va aller prendre une pause. Et après, on partira. On va aller manger. Et tu as Alexandre qui fait. Voilà. Dites-moi, avant que vous partez, mes amis... Attends, t'es encore là, toi? Oui. Il y a une grosse tortue qui est arrivée près de l'auberge, c'est normal? Oui, vous avez pas trouvé le mot? Elle est arrivée. Il y avait un mot, je l'ai pas vu. Sous l'arbre de gauche, normalement. Non, il y avait rien. Qui était à sa gauche. Non, il y avait rien, on a vérifié, il a dû tomber. Non. Chier. Bah oui, j'avais commencé à l'apprivoiser sur le chemin. Il est arrivé, il a commencé à manger le tonneau d'herbe rouge, t'enfoiré. Oui, je m'en doutais. Oui, il a mis, je crois, une boîte.
Je l'amadouais justement avec ça. Donc. Cela dit, il est très docile. Je voulais essayer quelque chose sur lui, mais on va dire que la moine n'a pas voulu. Tu voulais faire quoi ? Non, une bricole, laissez tomber. Tu voulais faire quoi ? Ah, vous ne pourriez pas comprendre, mais c'est pas, non, c'est si, pas si, très si, grave. Tu me connais, je peux complètement comprendre. Tu voulais faire quoi ? N'oubliez pas le forçage. N'oubliez pas non, le forçage. On est amis. Voilà. On est amis, donc tu vas me dire ce que t'as essayé de faire. Parce que c'est celui qui voulait les gens par terre, ouais. Oh, je voulais juste essayer un produit sur ces fruits. Ouais. Oh, rien de bien méchant. Oui, comme tous les gens qui ont été un petit peu assommés par ton gaz, c'est pas bien méchant. Dommage. Et il s'en va. Dommage, il s'en va. C'est comme un gamin. Attends. Il vient de se barrer alors qu'on a rien dit ni rien. Il voulait nous demander quelque chose quand même à la base. Oui, mais non, mais vous lui avez répondu. Il fait ah bah oui, le dragon, je l'ai apprivoisé. Bah du coup, voilà, il a eu sa réponse, il s'en va. C'est tout. Ah d'accord, oui. C'est ça sa question. C'est pas on l'avait apprivoisé, c'est on avait commencé, j'avais commencé à l'apprivoiser. Oh mais il a compris, hein, donc voilà. Bah Valfari a bien résumé Alexandre en fait. Ah, cela dit, il a quand même fait des... Il a quand même du linge sale quand même, ce personnage. Ça, non, il n'y a pas du linge, il y a toute la buanderie. Juste, je vais répondre à une question qui a été posée par Dami1306. Ça a commencé à 20h40, on a commencé en retard. Voilà, donc je t'inviterai à regarder le replay sur YouTube de préférence. Et ça fait donc 1h38 actuellement qu'on est en live. Donc JDR Maverick sur YouTube, allez-y. Allez voir les replays là-bas. Et rattrapez aussi les épisodes si vous avez tout raté. Hein, je compte sur vous. Hop, le doigt sur la caméra. Bon, eh bien, vous dirigez à l'auberge. Ouais, parce que c'est tout ce qu'on avait à faire encore, il me semble. Et du coup, merci Dami de t'être abonné. Merci beaucoup. Ah, merci pour l'abonnement. Bienvenue. Oui, merci. Ça fait 3 abonnements ce soir, dont un merveilleux don. Hein. Merci encore. Ils ont un énorme don. Du budget pour Maverick. Ouais, du budget. Allez, je pars en prod. Ah bah, et le pire, c'est que je sais à quoi je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour faire les chara-design des méchants. Ah oui. Allez, Asgard, au boulot. Au boulot, Asgard. Il faut que je le fasse bosser en plus aussi. Bref, bah, du coup, vous allez à l'auberge prendre du bon temps. Me reposer. Alors, je dis du bon temps parce qu'en fait, quand vous entrez dans l'auberge, il y a un petit concert. Avec une chanteuse. Qui a une voix, mais envoûtante. Une voix envoûtante, vous entrez actuellement dans la taverne du chant de l'humaine. Là-bas, l'endroit est pittoresque. Et les clients se ressemblent un peu tous, en étant fort différents les uns des autres, sans oublier quelques trophées. Là-bas, tout le monde a l'air happé par ce chant, charmé par ce qu'ils entendent. L'un après l'autre, ils semblent succomber au chant de la sirène, entre guillemets. Je vous écoute. Tour de table, Gilbert. Press X to doute. Press X to doute. Doute. Dis que la voix envoûtante. Bah dans ce cas-là, faut me demander là. Bah du coup, X to doute. Ok Gilbert, je considère. Elric. La question est légitime. Elle ressemble à quoi cette... Oui. Alors, oui, du coup, c'est une humaine aux cheveux très longs. Okay. Et de couleur... Alors quand je dis très long, ça veut dire que ça tombe, ses cheveux tombent par terre. Oui, ok, mais ils traînent par terre ou... Enfin, ils traînent par terre, c'est... Ouais, ils peuvent traîner... Alors, c'est genre réponse ou... Alors, pas à ce point-là, mais on est ce niveau, on n'est pas loin, oui. Ok, c'est pas aussi violent que réponse, évidemment, mais c'est des cheveux très longs. C'est pas des mètres, mais ça traîne sur 10 cm derrière elle, quoi. Bah en fait, ça ferait toute sa taille, hein. Donc elle fait quoi, 1m75? Bah, les cheveux font 1m75. Ouais...
Non, Wolfery, ce sera 95 alors, ou moins. Et alors, cela dit, c'est une humaine qui est très très jolie. Faut pas se le nier. Mm-hmm. Faut reconnaître des choses. Même toi, Elric, qui est elfe, tu reconnais la chose. Bien qu'après, toi, t'as un petit peu ton petit ego d'elfe qui te dit « Ah mais non, les elfes femelles sont plus jolies. » Tu te dis ça antérieurement, mais tu te dis « Ouais, mais non. » Et encore, si j'en profiterais. Même dans une race inférieure, il y a des éléments qui... Ah, il parle comme un elfe enchanté. Non, mais il doit avoir... Tu sais, ça doit... En fait, il a dû être élevé par des elfes argentés, hein, vu le côté roublard, tu vois. En fait, il a été trouvé sur un chemin. Et du coup, ce qui se passe... J'ai pas encore joué, moi, du coup. Je termine. Et du coup, elle a des formes généreuses. Elle a tout pour plaire, en fait. Et un beau visage aussi, un très très beau visage. Et une très très belle voix. Alors, cela dit, vous ne comprenez pas ce qu'elle chante. Parce qu'elle parle dans une langue, mais personne ne la comprend. Mais cela dit, dans votre tête, vous vous dites « Ah, c'est dommage qu'on comprenne pas, c'est dommage. » Mais du coup, Simon... Moi, dans ma tête, je me sens intrigué. Et ce que je fais, c'est que j'ignore complètement Elric et Gilbert et je me rapproche, en fait. Et je vais m'asseoir et je vais écouter, en fait. Cohérent. Mes proches. Ah, le salaud. Le plus proche possible, sans que ce soit... Ouais, tu prends la première table. Tu prends la première table. Oui, voilà, je vais pas monter sur la scène comme... ça serait un peu incongru, quand même. Et j'écoute, attentivement. Très bien. Ah bah, par contre, là, tu poses tes coudes, comme ça. Tu tiens ta tête. Ah là, t'es dedans. T'es comme ça, tu pourrais rester pendant des heures. J'ai une sensation étrange quand même de... Et justement, tu parles de sensation étrange, tu fais bien de le dire. Parce que oui, bizarrement, très étrangement, cette fille, alors, est associée à la magie de l'eau. Mais... C'est un peu différent. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, c'est pas négatif, mais il y a un truc qui cloche. Du coup, elle continue à chanter, tout ça. Cela dit, elle vous a remarqué. Elle vous a remarqué tous les trois, et... Comment ne pas remarquer ? Ça y est. Elle vous a remarqué... Surtout, c'est que derrière, vous sortez un peu du lot, aussi. Vous sortez un peu du lot, et du coup, elle vous lance des fois un peu des regards. Et Gilbert et Elric, malgré le fait que vous n'étiez pas intéressés de base, vous commencez à rejoindre Simon, sans le vouloir, à la table. Alors, non, parce que je me... Non, mais... Personnellement, je m'intrigue encore plus sur un truc, parce que là, de ce qui vient d'être donné d'infos sur l'eau, ça cogite et... Wait, what ? Il y a un lien qui vient de se faire, et si c'est le cas... What ? Désolé pour vous, les petits... Du coup, le temps file, du coup, toi, Gilbert, tu es complètement dans ta réflexion. Toi, Elric, t'es sur la table, j'imagine que t'es sur la table. Il est sur la table. Allongé sur la table. Oui, il est comme ça, couvrez-moi de nourriture. moi j'aurais pensé en mode danse, en mode... Heureusement qu'il y a ma tête, moi je suis juste assis devant et qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà. Oh mon dieu. Voilà, je censure le petit Elric. Non, mais j'essaie d'interpeller un tavernier ou autre pour savoir qui c'est, en fait. Il fait... Du coup, tu chopes une serveuse qui te regarde et qui fait « Ah, elle, c'est une chanteuse qui vient de temps en temps ici chanter pour nos clients. Je vous l'avoue, on est toujours très content qu'elle vienne, parce que de base, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Et puis, elle ramène toujours beaucoup de clients. Donc forcément, on ne va pas refuser sa présence et sa venue. » C'est sûr qu'à partir du moment qu'un elfe s'allonge carrément sur la table, je comprends que c'est de la faible attraction. Non mais il est... Ça m'a encore tragouté au lore à la con, mais les elfes ça mange de la roumaine, hein, évidemment. Tiens, mais comme ça, ils sont comme ça. Eh bah punaise, heureusement qu'il y en a pas une certaine qui rentre maintenant. Alors là, je vois qu'il y a un membre du public, c'est Peter qui est en train de péter un câble, parce qu'il est en train de sentir une référence à un personnage, et il aurait potentiellement raison.
Oui, non, bah, de toute façon, il y en a qui captent les refs ici. Pour le coup, lui, il capte un personnage de Fire Emblem. Hein. Moi, je... Attends. Je regarde un peu. Il y a pas... Il y a de la décoration, là, sur la table, genre cruche d'eau avec des fleurs ou autre. Oui, bah, il y a une petite déco, mais bon, maintenant, la décoration, c'est le Rick. Oui, non, mais... Je pense que le pot de fleurs, il en a pas besoin, finalement. Bah du coup, c'est... Amenez-moi de la nourriture. Je veux de la nourriture. C'est que je vais faire, tu vois, je vais faire le gros voleur. Parce que bon, là, j'ai rien sur moi, là, techniquement, et je vais jeter les fleurs qui sont dans le pot. Sur la scène, comme ça. Et on va voir s'il y a une réaction. Ok, accordé, je suis d'accord. Elles sont encore plantées, il y a le bulbe, il lance tout avec. Et de la terre. Non, je balance pas Evric non plus, hein, parce que le pauvre. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu prends les fleurs qui est sur le pot, et tu les lances vers, j'imagine, vers la chanteuse, j'imagine. Oui, bien sûr, dans le mouvement. Vers la chanteuse, tu vois qu'elle continue à chanter, mais tu vois qu'elle commence à récupérer les fleurs. Tu vois qu'elle prend tant de humer. Elle te regarde, en fait, tu vois qu'elle est sur le scène, donc elle est un peu surélevée, donc elle te regarde comme ça, tu sais, te regarde comme ça. Que c'est gentil. Ça va me finir. et non, surtout tu vois qu'elle ne lâche pas, elle les garde. Tu vois, elle les garde. Oh merde. Donc, alors on va refaire un tour de table avec ces petits événements qui sont déroulés. Gilbert. Est-ce que c'est Océane? Alors, plus le temps avance, plus t'es là. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, elle est bonne. Réellement, je suis là en mode, est-ce que c'est Océane? Qui est Océane? La déesse de l'eau. T'as aucun moyen de le savoir. Non, mais ça se trigger dans ma tête par rapport au nombre de... Alors, oui. On va lancer... Alors, attends, je vais voir si je peux pas... L'impolitesse de lancer un jet d'érudition discret me tâte. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de... Parce que tu es en train d'émettre une hypothèse qui peut peut-être être vraie ou peut-être être fausse, hein, on ne sait pas. Mais cela dit, on va ajouter l'image. Donc, on va ajouter l'image, donc... on va appeler ça image, hein, voilà. Hop, on va l'ajouter. On va la mettre par contre en arrière-plan, histoire qu'on la voie pas popper brusquement. Ah oui. Et je vais l'ajouter pour nos chers viewers, comme ça ils sauront à peu près de quoi tu parles. Mm-hmm. Ce serait bien de savoir de quoi tu parles, n'est-ce pas? Il y en a qui savent, hein. Il y en a qui savent. Drake Mana et Peter savent aussi. Oups. Et ils ont réagi, donc... Oups, attendez. Ah oui, t'as blanchifié le... Ouais, voilà. Non, ça c'est toi. Attendez, je réduis en fait la taille de l'image avant de la faire apparaître. Là, l'objectif est juste... Ouais, c'est un peu... Là, pour le coup, c'est un peu difficile. C'est bien, c'est qu'au moins Gilbert a eu la même pensée que moi, mais il l'a formulée, tu vois. Tu penses ça aussi, toi? Oh bah, je suis dans le RP à cause de ça. Hein. Donc, hop, voilà. Donc, je sais pas si on voit quelque chose. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Est-ce que les viewers, vous le voyez bien? C'est bon, le retour y est. Ah, t'aurais pu zoomer un peu plus, peut-être faire disparaître le trident, en vrai. Comme ça, on voyait bien le personnage. Bah... voilà. Bon, Drake qui a bien résumé la situation, elle est bleue. Voilà, c'est que du bleu. Bah voilà. Alors, boum, ça n'a pas marché. Non, voilà. Si, ça y est, c'est bon. Alors, attendez, j'essaie en fait. Voilà, j'essaie de bien me positionner. Histoire que. Voilà. Non, toujours pas. Putain de merde. Attendez, je vais y arriver. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir la zoomer sans que ça gêne trop. Voilà. Voilà, là on voit bien. Donc, d'après nos chers amis, ça balance la théorie que c'est elle. Voilà, enfin, il y a moi qui me suis au final adossé à un des piliers du bar et je suis en train de comme ça. Putain de bordel, est-ce que c'est elle? T'as bien dit que c'était une humaine. Oui.
Donc le seul lien, c'est qu'elle a les cheveux au ras du sol et qu'elle a les cheveux bleus. Sauf que les cheveux bleus. Non. Alors les cheveux ras du sol, ça correspond. Alors les cheveux ras du sol, ça correspond. Le souci Silver, c'est que dans les descriptions que en soi, je pense que mon personnage connaît parce que bah, il étudie tout ça. Des descriptions, c'est une apparence de que c'est une très belle humaine aux cheveux longs, céruléens, à la peau légèrement bleutée, portant généralement un haut très moulant ainsi qu'une longue jupe. D'ailleurs, je me permets d'un remarque. Mais non, mais du coup, Gilbert, du coup, tu parles des vêtements. Elle est habillée comment, la chanteuse ? Oui, c'est ce que tu avais dit, qu'il me semblait qu'elle est habillée d'une grande et longue robe qui moulait ses formes, si je ne me trompe. Oui, pour Océane, mais pour la chanteuse. Non, pour la chanteuse, justement, je pense. Oui, la chanteuse, c'est le cas aussi. Voilà. C'est pas la même tenue, mais c'est ressemble. Pas la même tenue, mais c'est la même forme, c'est le même usage aussi pour les formes, justement. Bayon sauvage est passé dans le cadre. Oh, peu importe. Donc, du coup, si je comprends bien, la théorie principale veut que ce soit Océane. Bah, en tout cas, la personnage, le truc de mon personnage qui est en mode full interrogation parce que déjà j'ai eu l'effet de l'attirance de ça, je suis en mode. Non. Simon, il y a un full respect. Il y a un truc là. Alors d'ailleurs, toi Gilbert qui est en pleine réflexion, la chanteuse l'a vu. Et en fait, t'es comme ça en pleine réflexion, et en fait, tu te prends un petit jet d'eau, c'était sur le front comme ça. Tu sais, qui fait. Donc, du coup, bah. Et tu vois que la chanteuse qui te regarde, elle fait. Elle se fout de ta gueule, hein. Oh non, elle provoque. Je suis pas encore au point de faire le guignol à faire du jonglage avec des bulles d'eau. J'y suis pas encore. Ça va pas tarder, les conneries. Il acquiesce doucement que l'eau qui coule du front, c'est. Valfari qui dit que si la chanteuse était bleue, ça aurait sauté aux yeux aussi. Bien entendu. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Oui, après. Bon, cela dit, elle a les yeux bleus. Les dieux, non, de toute manière, les dieux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent devenir une petite fille pour te baiser la gueule, ils le deviennent. Est-ce que dans l'univers, c'est le cas ? Il me semble. Ils sont tous stressés à cause de Mora, tu vois, mais. Parlons de Mora. Justement. Ouais. Vous l'entendez, il fait. Par respect pour Silver, je voulais pas y toucher encore. Donc. Et genre Mora, lui, il est comme ça. La boule magique. Elle est toujours aussi efficace dans son rôle. C'est toujours un grand plaisir d'écouter sa voix. Je le savais. Ah, je ne peux qu'esquisser. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Mora. S'il vous plaît, profitez du moment que mon petit doigt me dit qu'elle va venir vous voir. Je crois que vous lui avez tapé dans l'œil. Je compte bien discuter avec elle. Et merde. Zut. Fuck. Yes, je le savais. Et fichier. Oh. Écoute, Gilbert, hein, laissons le podcast du groupe gérer la conversation. Attends. Viendra. Laissez qui ? Le podcast du groupe gérer la conversation au moment. Mais, non, mais il parle de lui-même en fait. Hein, mais c'est surtout que j'avais pas réussi à comprendre, c'est pour ça. Donc j'étais là en mode, wait, il vient de dire quoi ? Un truc qui est super exagéré, super foireux ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, ça. Le fait que tu t'auto-insultes et que tu parles de l'eau et tout ça. Non, toi. Oui, bon, écoute, hein, t'as l'air d'un vieux, donc. Hein. N'en fais pas tout en pataquès non plus. Désolé, Gilbert. Est-ce que. Les qualités de caméra, on n'y peut pas grand chose, hein, Oscar. Ah, au moins, tu pourras poser des questions pour tes bouquins. Payou, est-ce que si je l'appelle à Bok, j'ai moyen de faire marcher l'aphrodisiaque sur un dieu ? Non. Là, il joue avec... vous sentez le mec qui joue avec le feu là. Elric, si tu t'amuses à faire ça avec elle, tu vas te prendre un coup de trident. Simon, il va pas être d'accord. Ne touchez pas, madame. Quelque part. Ah, j'ai plus un décolleté derrière, hein. Je peux rester torse nu.
Même pas capable d'aller vers l'elfe qui lui est tout indiqué, et maintenant ça veut faire des leçons avec Océane. Eh ben, bah, dis donc. Ça n'a pas été confirmé, ça. Pour moi, c'est avec. C'est pas une déesse. Gilbert, la musique a disparu. Merde. Non, moi je l'entends toujours. Non, il y en a une. Il y a du piano. Ah bon? Ah, putain, j'entends. Ah, j'entends pas. D'éviter le châtiment ensuite. T'es sûr? Oh putain. Ah oui. Il faut c'est venu d'un coup. Il faut fuir très vite. D'accord, excusez-moi. Ok, c'est bon. Et du coup, alors la musique s'arrête, vous entendez tout le monde qui applaudit. Donc tout le monde est charmé, tout ça, machin. Et t'en as quelques-uns qui entendent. Il y a une table avec des gens avec les bouteilles à la main. Il fait Oh ma petite dame, revenez quand vous voulez, votre voix est sublime. Et du coup, tout le monde qui est content. Et tu vois la chanteuse qui la regarde en leur faisant un petit clin d'œil comme ça. Personnellement, du coup, vu que c'est terminé, je vais au bar, je vais commander une pinte. Et du coup, je suis satisfait. Vous avez la chanteuse qui vous regarde tous les trois, qui fait. Moi perso, je vais pas me faire prier. Hein. Elle fait. Non, elle vous pointe et elle fait ça. D'accord, oui, je viens de le voir sur le live. Je suis déjà debout. C'est Simon. Simon qui est déjà debout. Alors, s'il te plaît, évite juste de penser avec ta bite. Chérie, vos mots sont un outrage pour moi et pour madame. Allons bon. Ne vous énervez pas pour ça. Ah, c'est elle qui parle. Je suppose que ma couverture est grillée. On ressent beaucoup votre magie. Bah pour ça déjà essayez de changer de style de votre description habituelle, divinité. Pourtant j'apprécie me trimballer comme ceci. Ah non, vous n'allez pas me le reprocher tout de même. Je ne vous reproche rien et je ne remets pas en doute vos goûts. Je dis juste que si vous voulez passer incognito, choisissez une tenue qui change quoi. Alors c'est pas forcément son but j'imagine. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé, poisson. C'est important de maintenir une bonne présence quand on est un dieu. Oui, c'est bien moi. Je suis Océane, déesse des eaux. Mmh. Enchanté de vous rencontrer. Moi de même. Ça m'a fait grand plaisir. Alors, en sachant que, bien sûr, priorité numéro 1, elle va se diriger vers Simon, évidemment. Et du coup, en fait, elle s'approche de toi, alors en sachant que quand même, elle fait quand même une certaine taille, mais elle fait une certaine taille, elle est pas si grande que ça, mais mine de rien, t'es au garde à vous, hein. Tu ne bouges pas, t'es au garde à vous. Hein. Je suis devant, hein. Ouais, c'est pour le garde à vous. Et en fait, tu vois qu'elle commence à passer son doigt, tu sais, comme ça, elle fait comme ça. Et tu sens son énergie divine qui est en train de te traverser un petit peu le corps. Et qui te fait des frissons, quoi, au final. Qui te fait des frissons, parce que c'est une grosse puissance. Et en fait, elle te fait un petit coup sur le nez, comme ça. Je vois que mes chers disciples sont toujours aussi jeunes et dynamiques, si je puis dire. C'est encourageant. C'est encourageant. J'espère que vous ne faites rien de mauvais. Oh non. Voilà, j'ai juste quelques petites idées. Si, la chose la plus mauvaise que je peux faire éventuellement, c'est d'accompagner ce groupe. Il est assez particulier. Ils sont sympathiques. Vous êtes un peu dur avec vos compagnons. Pourtant, il n'y a rien des plus importants que des compagnons de route, surtout pendant ta quête précisément. Il me semble que tu as une quête un peu particulière à faire. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Oui, justement, le fameux corail noir que nous devons récupérer à... Ce sera pas une mince affaire. Je parlais plus de toi personnellement. Ah oui. L'héritage. Vous faites référence, oui, à mon ancêtre, oui. Ah, ton ancêtre, je l'ai connu. Je l'ai connu, ton ancêtre. Ah, c'est intéressant. Voilà. Il venait souvent au temple me prier. Il avait eu l'occasion de me voir. Un être de l'autre, quoi de plus normal. Quoi de plus normal, étant donné que je suis une des déesses, sans vouloir me lancer des fleurs, une des déesses les plus présentes physiquement sur ce monde. J'aime être proche de mes fidèles et des mortels. Je les trouve fascinants, personnellement. J'apprends toujours des choses avec eux. Ouais. Bah, de toute façon,
sur les livres que écrit mon confrère, il y a beaucoup de faits sur des rumeurs comme quoi les divinités dites inférieures, excusez-moi madame. Non, mais c'est ce que nous sommes. Souvent sur Erisia et les continents avoisinants. Oh, mais c'est ça le cas. Ça me fait plaisir que ça soit fondé. Oui, toutes les divinités inférieures, mais ne vous en voulez pas de mes termes inférieurs, c'est le terme qu'on a nous-mêmes défini. Étant donné que si on se compare aux dieux supérieurs, voire même primordial, nous sommes rien. Nous sommes que poussière. Mmh. Nous sommes comme vous, au final. Nous sommes que poussière, face à eux. Mais oui, nous sommes très présents physiquement. Mmh. Ce qui fait, au final, ce qui fait de nous des dieux un peu différents par rapport aux supérieurs et encore plus aux primordiaux. Mmh. Loin de moi l'idée de chercher à leur manquer de respect, mais... Ils ne sont pas très présents. J'estime que c'est important que les divinités soient en présence des mortels et vives. Un peu nourri. Je ne suis pas... Valfari, je ne suis pas très fort pour faire les voix féminines. Hein. Je ne suis pas très fort pour ça. Cela me dérange, mais j'aurais une légère requête. Il va faire ça avec tous les saloperies divines. Oui, non, alors, voyez-vous... Ils vont tous faire ses courses. Vous avez mentionné, oui, le trésor, bien sûr, l'héritage de mon ancêtre, mais pour l'instant, je suis beaucoup plus préoccupé par notre mission actuelle qui est commune, qui est de chercher cette écaille noire au fin fond d'un temple de l'eau. Le problème, c'est que, bon, le seul qui peut tenir un peu... sous l'eau le plus longtemps possible, c'est moi. Il nous faudrait trouver un moyen pour mes deux confrères de les aider. Donc, si vous pouvez m'aiguiller sur la marche à suivre, il y a un petit indice. Un corail noir, vous dites ? C'est ça. Oui, je sais où vous pouvez en trouver. Pas très loin, il va falloir repasser par Dombourg si vous souhaitez l'acquérir. Mais il se trouve que si vous prenez un bateau, vous arriverez à une sorte de phare en plein milieu de l'océan. Descendez ce phare, vous y trouverez moult chemins vous donnant accès à toute une vie sous-marine. Et il se trouve qu'une ville complètement en ruine, c'est là où se trouvent les coraux noirs que vous cherchez. Mais faites vite, les coraux noirs ne restent pas longtemps. Si ça se trouve actuellement, là où on parle, il en a déjà plus. Ça nous éviterait au moins de nager. Déjà, ça a pris. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous cherchez un corail noir, ça vous regarde. Vous avez dû le sentir. Les affaires des mortels ne nous concernent pas forcément. Bon, si vous avez traîné du côté des ruines. Le noble cristal, c'est bien ça Je n'étais pas... Récemment, je n'étais pas ici. Je n'étais pas du côté des rues de noble cristal. Je m'adressais plus spécifiquement à Eric et à Gilbert. Je redemandais confirmation. Un signe de tête pour le lieu. Et sinon, Payou, quand je lui ai dit... Vous avez sans doute... Quand j'ai dit qu'elle avait sans doute dû le ressentir, est-ce qu'elle a tilté ou est-ce qu'elle a réagi un petit peu? Non. Donc elle ne montre aucun signe du fait qu'elle ait pu ressentir la création de cette aberration. Donc du coup, prendre un bâton du côté de Dombourg pour après rejoindre le phare. D'accord, c'est plutôt un bon plan. Ça alors, il y a alors, chose. Alors du coup, il y a Océane du coup qui commence à s'approcher d'Elric. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Mais il n'y a pas de souci, mon cher disciple. Continuez à faire bien les choses. Je compte sur vous. Oh. Oui, on se reverra peut-être. Peut-être. À l'occasion. Puissent les eaux être avec vous. À l'occasion, si vous cherchez un gardien, vous savez où me trouver. non, mais il pose ses pions, écoute, hein, il a raison. Hein. Et du coup, il y a Océane qui commence à t'approcher. Il y a Océane qui commence à t'approcher, Elric. Tu ressens son énergie divine, donc du coup, t'es droit comme un piquet aussi, quand elle s'approche. Hein. Parce que voilà, il y a un certain, on va dire... Faut pas déconner. Il y a une certaine peur, quand même. Et en fait, tu vois qu'elle commence à poser le doigt comme ça, et qu'elle descend comme ça.
Je connais un petit elfe ici qui est plutôt bien gradé, si je puis dire, chez les elfes. Oui, je connais les coutumes des elfes forestiers. J'ai toujours trouvé ça fascinant, le fait que le décolleté soit représentatif du grade social. C'est pour se rapprocher de la nature. Mais j'imagine que c'est une culture qui vous est assez étrangère. Oh, toutes les cultures mortelles me sont étrangères, mais cela dit, ça ne m'empêche pas de m'y intéresser. Ça ne m'empêche pas de m'y intéresser, fidèle de mes deux consoeurs. Bah oui, lumière et vent. Ouais, c'est vrai que c'est les deux seuls gonzesses après. Oui, c'est le... Oui. J'ai une question. Il manquait de la glace. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai une question. Ah, wait, est-ce que Ivravoni compte dans les sœurs et tout ça? Parce que c'est une supérieure. Ah, ok. C'est pas le niveau de divinité. Oui. J'ai une question qui me... Pourquoi... Mais parlez donc, petit mortel, parlez donc. Pourquoi le tour des tavernes humaines n'est pas directement le Namazu, plus proche de vous? Je vais là où bon me semble, je vais partout. J'ai les fidèles de tous bords, de toutes races. Pourquoi je ferais une distinction? Je n'ai aucune raison de délaisser d'autres pour d'autres. Tout le monde a le droit de recevoir ma bénédiction, mon amour. Tout le monde. Même ceux qui ont un peu vieilli. Oui. Vous faites bien de le dire, mon cher Simon. Bah pour le coup, Drake, Drake, je serais plus précis, tant qu'il y a de l'eau, elle est chez elle. Et c'est ça. Je vois. C'était ça votre question? Oui. Vous avez eu votre réponse? Et tu vois qu'elle tourne un peu son doigt sur ton sternum, tu vois. Mais tu vois que ça te plaît pas qu'elle fasse ça, parce que c'est clairement une posture de domination, en fait. Clairement, elle te soumet en quelque sorte. Petit elfe. Et tu vois, je fais ça avec un grand sourire, parce qu'elle le sait, quoi. Évidemment. Attends, Eric. Non, mais moi, tout ce qui est divin ou tout ce qui est saloperie, Eldritch, tout ça, ça ne va pas. Ça n'ira jamais. D'ailleurs, j'en profite. Méfiez-vous avec lui. Ah, la petite boule! Pas besoin de me le dire, ça. Ça fait un petit moment que vous le traînez. Il n'est pas trop embêtant, j'espère. Oh. Heureusement, on a trouvé la touche silencieuse. Disons qu'il y a... Le bon avion d'être le bon avion. C'est divertissant pendant le voyage de voir Eldritch se prendre le chou avec. Non, mais je m'attends à me faire posséder à tout moment, ça ne va plus. Non. Bah, c'est étrange, Eldritch, parce qu'à ce moment-là, tu es en train de parler avec une autre voix. Et actuellement, vous êtes témoin d'une conversation un petit peu bizarre dans une autre langue, en fait. Ah. Et juste 15 secondes plus tard, Eldritch, tu récupères ton corps. Est-ce que je peux essayer pendant leur dialogue d'essayer de comprendre quelque chose? Impossible, tu connais pas la langue. Même de parler des attitudes ou autre, non, il y aura aucun moyen. Ils sont restés stoïques. En fait, moi j'étais un mopette, Tu sais, c'était une chaussette en fait. Tu vois, t'as Mora qui a mis une tentacule dans le derrière et qui a fait ça. Non, deux tentacules. Oh, dégueulasse. Toujours plus. Toujours plus. Et du coup, c'est en fait, tu sais, quand tu reprends conscience, tu sens que tu as ta Mora qui est en train de rigoler. Ah, ça c'est nouveau, Mora, quand même. Oh, vous savez,
Je peux faire un peu ce que bon me semble, surtout avec des êtres mortels comme vous, à l'esprit plutôt pénétrable, si je puis me permettre le terme. J'aurais une question, mon petit Morin, j'aurais une question pour toi. Oui, je sais que tu vas devoir nous prendre quelque chose. Ça marche que si c'est quelqu'un qui porte ton réceptacle ou tu peux faire ça avec toutes les personnes environnantes? Oh, mais je ne vais pas le dire! Un peu de surprise. Et le moment où j'ai envie de prendre le bouquin le plus gros que j'ai dans ma besace et de lui envoyer dans la gueule à ce poisson. Je pose une question sérieuse, si Elric est menacé à le garder constamment, hein, ou s'il faut se refiler à la patate chaude. Non. 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 Pas toi. Non, mais moi, j'ai contraint à en faire. Ouais. Et du coup, tu as Océane qui se dirige vers Gilbert maintenant, du coup. Et tu vois qu'elle prend, elle prend ton chapeau. Il est sympathique, votre chapeau. Effectivement, c'est une conception personnalisée. Eh bien, il est très réussi. Merci. Et tu vois qu'elle te le remet comme ça. Dites-moi. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aime explorer, qui aime écrire, non? Je pense que si les plus profondes, les plus grandes profondeurs de notre planète ont pu y avoir accès, je présume que les plus hauts cieux ont eu aussi vent. Pas de rigole, excuse-moi. Non, pas de soucis, j'ai fait exprès quand même de viser bien Mora, hein, pour le coup. Excusez-moi, parce qu'en fait, quand il a dit profondeur avec un blanc, j'ai imaginé autre chose. Avec les profondeurs de vos orifices. Huge. So big. Là, c'est le MJ. Oui, non, là c'est moi. Non, c'est moi. Là, c'est je suis coupable. Aïe, bon, aïe. Oh. Du coup, elle te fait « Ah, c'est fascinant. J'ai toujours été fasciné par les gens comme vous. Pourquoi avoir envie de tout ce savoir ? Une simple curiosité de ma part. » Le plaisir de la découverte. Ah, le plaisir de comprendre. Ah, le plaisir. Quelque chose qui m'est encore assez étranger. Cela dit, je prends beaucoup de plaisir à chanter pour mes fidèles. Est-ce que c'est une forme de plaisir? Moi, je pensais que c'était acté, déjà. tu vois qu'elle commence à réfléchir, tu vois. Je ressors le bouquin et boum! Il m'énerve! Il m'énerve, il ouvre trop ce poisson. Un poisson, c'est dans l'eau, ça ne parle pas, ça fait des bulles! Je n'ai pas cité Marius parce que je ne veux pas me faire taper dessus, mais... fais attention, là, tu sens les gros dossiers, là. Enfin, plus sérieusement par rapport au RP, je ne saurais vous répondre par rapport à exactement tout ça. C'est malheureusement un petit peu hors de mes domaines d'expertise, mais c'est effectivement un sujet qui est intéressant et qu'il faudrait pousser. À voir s'il n'y a pas des académies ou des spécialistes en psychologie qui pourraient vous aider. Même si, bien sûr, je ne mets pas en comparaison l'intellect mortel et l'intellect des divinités. Comprenez bien qu'en réalité, nous ne sommes vraiment pas de la même façon. C'est comme si nous étions deux races différentes, au final. Absolument. Je ne fais que m'intéresser à ce que font les mortels. Absolument, je comprends bien. Mais pourquoi je vous conseillais cela, c'est vraiment que, ne serait-ce que même avoir une idée ou... une hypothèse qu'on n'avait pas pensé avant, qui par ce biais-là nous intervient, à nous apparaît, peut être une source ou un élément qui vous manquait jusque-là. Ce n'est après qu'une supposition et vous êtes suffisamment grande et puissante pour pouvoir le déterminer par vous-même. Ah, c'est fascinant. Je vais prendre note de vos conseils, merci beaucoup. Je vous en prie.
Mais attends, il me semble que ça n'est pas. Et tu vois qu'elle est en train de fouiller dans, dans son haut entre ses seins. Payou, j'utilise toute ma volonté, toute ma force, toute ma concentration pour faire abstraction. En fait, ce qui se passe, Gilbert, c'est que tu es tellement poli qu'en fait, quand tu vois ça, tu fais. Tu regardes ailleurs en fait. Eh merde. Bon bah je jette des dés moi ou pas Non, vous avez tous le réflexe de regarder ailleurs. Parce qu'en fait elle fouillait juste une poche qu'elle avait. Et du coup, elle te voit encore le lever les yeux. Tu sens qu'elle te regarde, elle fait tendez votre main. Elle parle à qui? À Gilbert. D'accord. Et t'entends ting, ting, ting. C'est des bruits de pièces. Trois pièces. Et t'as fait trois pesos. Attends, est-ce que tu regardes ce que c'est? Oui, du coup, je regarde ce qu'elle me donnait. Alors, c'est des pièces bleues. Oui. Elle vous a donné trois pièces d'eau. Trois pièces élémentaires complètes d'eau. Complètes, oui. Vous êtes généreuse, madame, il ne fallait pas. Non, mais de rien. J'insiste, gardez-les. C'est pour vous. Ah, ce n'est pas un vous petit avez... présent. Vous avez étanché ma soif de conversation. Je me dois de vous remercier. Intérieurement, alors là, je pense, et donc je pense dans le palais mental, eh ben putain, il lui en fallait peu. Mais bon, veuillez m'excuser, je dois y aller. On se reverra peut-être à l'occasion. Et j'espère ce jour-là que vous apprécierez mes chansons. Toujours, madame. À une prochaine fois, madame. Et Simon Pontos. Tu vois qu'elle se retourne et qu'elle te. Tu vois qu'elle se retourne, elle fait comme ça, elle te regarde avec un petit sourire. Ne faites pas des choses mal. Pas en mon nom. Non, j'y veillerai. Passez à l'occasion au temple de l'eau. Je n'y manquerai pas. Peut-être après ce voyage. Et du coup, elle s'en va. Et le live se terminera ici. Juste avant, mon personnage, après tout ça, après avoir récupéré les pièces et tout ça, je me retourne, je vais au bar, je pose la pinte que j'avais pris, tavernier, une autre s'il vous plaît. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on a fait pour encore mériter? Paye juste avec les bonnes pièces, s'il te plaît. Paye avec les bonnes pièces. Oui. T'es au courant que si tu lui donnes une pièce élémentaire d'eau, tu achètes toute la cargue et toute la réserve de bière. Oui, mais. T'en payes deux, t'achètes le bar. Silver, t'es conscient quand même que en soi c'est les seules pièces que j'ai sur moi. Les autres pièces, c'est toi qui les as. Donc en soi, c'est littéralement toi que je vais. Quand on va partir ou autre, je vais être en mode. Enfin, quand on va me demander de payer, c'est lui qui a les sous. Démerdez-vous avec. J'ai une question sérieuse, elle a pris les fleurs avec elle ou elle les a laissées dans un coin du coup? Non, elle les a gardées. D'accord. Alors, j'ai compris au début les fers avec elle, donc j'étais en mode... Non, les fers. J'étais en mode, what? Les fers? Quel fer? Je ne suis pas le nouveau Marius, pas encore. Pas encore. Alors, Marius, juste pour les non-initiés, Marius, c'est l'ambassadeur de l'eau. Non, après, je pourrais pas être ambassadeur. Mais tu pourrais pas être ambassadeur, oui. Mais tu pourrais être gardien. Oui, tu peux être gardien. Un gardien bien fringant. Bon bah voilà, est-ce que cette partie vous a plu? Oui. Bah oui, forcément, oui. Oui, Simon, oui, forcément. Il vient de passer. Si on a l'impression de toutes les saloperies cosmiques, on croise jamais. Bah si on nommait Fondrail, oui, c'est bien passé. Oui, et Gilbert. Alors, Gilbert, moi, ce que je retiens de Gilbert, one shot. triple one shot. Et surtout, c'est à la fin, c'est. Quand l'autre part, c'est. Ouvre les deux yeux. Non, en fait, cette barrette était là. Non. Non. Non, c'est pas ça, c'est vraiment le coup du. En position de chasseur, tout ça. Et l'autre qui commence à fuir en mode gibier. Ouvre les deux yeux. Ah bah là, il a ouvert les deux omoplates là. Oui. Oui, mais c'est le chasseur qui ouvre les deux yeux, justement.
C'est ça. Donc, public, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir, malgré les problèmes qu'il y a eu et malgré le fait qu'on a commencé en retard. Merci de nous avoir rejoints aussi tard et de nous, d'avoir suivi jusqu'au bout. Et merci d'avoir supporté les problèmes techniques. Et Zulman. Merci d'avoir supporté Gilbert et Elric durant cette campagne. Je ne sais pas comment vous faites. Oui, voilà. Bon, je sais que je mets des billets sous la table. Je remercie encore les 3 subs donc, qu'il y a eu aujourd'hui, ainsi que le don de Respawn, qui nous a offert 50 euros qui seront bien investis pour Maverick, évidemment. Merci, Drac Manaquette. Une petite Zul'dan, si on pardonne. Non, ça pardonne tout. Non, mais je crois, Zul'man, c'est fini. Hein. Depuis ta vidéo, c'est fini. Je pense que je vais faire une Zul'dan avec des grosses paumes sur Gilbert. Il va rien comprendre la prochaine fois qu'il me traînera par terre. Ou alors, non, allez, s'il y a des artistes, je veux un fan art de Simon Pontos qui danse pendant qu'Océane chante. Non, toute l'équipe qui danse avec Elric qui est sur la table comme ça. Romain. Et Gilbert. Mais presque si tout le monde doit être là en mode danse avec juste. S'il y a moi et Zul'man en mode danse, faites que ce soit des danses complètement connes. Les danses Fortnite. Non. Arrêtez. Ouais, La danse de distraction dans Escape. Dans Stickman, Henry Stickman. Je ne connais pas. Ah putain, avec le complexe du wall. Oh, vous avez pas la ref. Non, on n'a pas la ref, non. J'ai pas la ref. Désolé, on connaît un tas de conneries, mais celle-là, non. Bon Dieu. Bref, du coup, je vais conclure ce live. Encore merci à nos joueurs d'avoir été là. Alors, la semaine prochaine, on va peut-être essayer de caler l'épisode 2 des Anges Déchus, que beaucoup de gens attendent. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que je compte sur vous pour les explorateurs épisode 10 ? Moi, je suis censé être là. Voilà. Mais déjà l'épisode 10 ? Oui. Mais Payou Zul'man, si vous connaissez pas, du coup, regardez dans Blabla Général. Drake Manaquette, mon cher ami auteur, qui est auteur de magnifiques livres, hein, clin d'œil, je t'invite à aller du côté de la chaîne YouTube. Quelqu'un peut remettre le lien, s'il vous plaît ? La chaîne YouTube, là où il y a tous les replays, parce qu'actuellement, on fait 2 campagnes, Drake, pour t'expliquer. On a les explorateurs actuellement, et on a L'Ange Déchu, qui est une autre campagne, avec 4 autres joueurs. Enfin, 4 autres joueurs, il y a Zul'man et Loïc. Il y en a deux qui sont un peu doublons. Oui, ils sont doublons, mais ils ont d'autres personnages et il y en a d'autres. Du coup, hop, sachant en soi qu'on peut compter aussi une troisième campagne qui est actuellement indéfinie en durée dans le temps, qui est le Donjon d'Angers. Aussi. Alors, Donjon d'Angers n'est pas une campagne, c'est... Oui, mais on peut la compter comme ça en soi. Ce n'est pas des scénarios en fait, c'est du jeu en fait, c'est du jeu. C'est plus du jeu en fait. Celui qui a le rôle de campagne presque infinie, c'est les explorateurs au final. Oui, c'est les explorateurs parce que le contenu et le principe se basent là-dessus. Si t'es déjà abo, Drake, je t'invite à regarder les épisodes qui arrivent. Et n'oubliez pas le replay demain sur YouTube. Nous faire un joli retour en commentaire. Oui, et nous faire un joli retour en commentaire. Quel que soit le réseau social, ce sera avec grand plaisir. Ah, salut Blu-ray! T'arrives un peu tard, mais... Dommage. Il y a toujours ceux qui arrivent au dernier moment. Ouais, c'est génial, ça. Running gag. Ouais, ça. Du coup, je vais terminer le live. Donc, du coup, encore merci aux joueurs d'avoir été là. Et du coup, je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà. Allez. Salut, à bientôt tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. J'ai pas mis le micro. Excusez-moi. Donc, du coup, je disais, du coup, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à voir tous les épisodes. Et n'oubliez pas, tous les samedis soirs, 20h, votre moment préféré, c'est-à-dire un épisode de Maverick. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut!